Alléluia. Amen. Acclamons encore Jésus-Christ. Wir klatschen nochmal für Acclamons Jesus. Le roi des rois. Wir klatschen für den Herrn der Herren. On se lève pour acclamer le roi des rois. Wir klatschen für den Herrn der Herren. Papa. Vous allez tous bien? Geht's euch gut? Est-ce qu'on s'est salué? Haben wir uns heute schon begrüßt? Faut regarder ton voisin à côté. Du sollst deinen Nachbarn daneben anschauen. Et tu lui dis, je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Sag, ich grüße dich im Namen Jesus. Ich begrüße dich im Namen Jesus. On ne salue pas seulement, mais on donne un beau sourire aux frères. Wir sollen nicht einfach so grüßen, sondern wir sollen unsere Geschwister anlächeln. Un beau sourire. Zeige Lob, Jesus, zeige Lob. Zeige Lob,
Si ce n'est d'élever ton nom par ma vie de chaque jour, me forcer à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusqu'à dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne, l'unique, le véritable. Oh, l'admirable. Devant ton nom, je l'ai sur la terre. Genoux fléchis, unique et le véritable. C'est toi, oh, l'admirable. C'est toi, le sur la terre. Tout genou fléchis, que serait le désir de mon cœur, qui serait d'élever ton nom. Par ma vie de chaque jour, m'efforcer à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours, jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. Unique et le véritable. C'est toi. Oh, l'admirable. C'est toi. Oh, mon nom, c'est sur la terre. Pour toi. Tout genou fléchis. Unique et le véritable. C'est toi. Oh, l'admirable. C'est toi. Oh, mon nom, c'est sur la terre. Pour toi. Tout genou fléchis. Que ton nom, Jésus, soit béni. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. La vie est la vérité, reste Jésus. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Les sacrements se ramènent à Jésus. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Yoshua, Machia, Yosalita. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Amamama. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Kumbama, Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Le premier et le dernier, c'est lui qui était, qui est la parole manifestée, image de Dieu invisible. Le premier et le dernier, c'est lui qui était, qui est la parole manifestée, image de Dieu invisible. Le premier et le dernier, c'est lui qui était, qui est la parole manifestée, image de Dieu invisible. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Kumbama, eh, Yahweh, Kumbama. Mokonzi, oh, Elikia, 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 oh, makasi, oh, makasi, 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 oh, lobiko, 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 oh, Elikia, 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 oh, yo, Mokonzi, 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 Mokonzi. Mikafu, oh, ma, oh, Mikafu.
Mikafuo, Mikafuo, Mao, Mikafuo, Mikafuo, Mao, Mikafuo, Mikafuo, Mikatuo, Mao, Mikatuo, Mikafuo, Mikafuo, Mao, Mikafuo, Mikafuo, Mikatuo, Mao, Mikatuo, Kumale wae, Kumale wae, Njale, Kumale wae. Kumale wae, njale, kumale wae. Kumale wae, njale, kumale wae. Kumama e yawe, kumama. Kumama e yawe, kumama. Kumama e yawe, kumama. Aclamons-le, aclamons-le. Le premier et le dernier, celui qui était, qui est, la parole manifestée, image de Dieu. Le premier et le dernier, celui qui était, qui est, la parole manifestée, image de Dieu. Le premier et le dernier, celui qui était, qui est, la parole manifestée, image de Dieu. Mikafuo, Mikafuo, Mao, Mikafuo, 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 Mao, Mikafuo, 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 Mao, Mikafuo, 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 Mao, Mikafuo, Kumale wae, Njale, Kumale wae. Zaygelob, Jésus, Zaygelob, sois loué, Jésus, sois loué, sois loué, Jésus, sois le premier et le dernier, celui qui était, qui est, la parole manifestée, image de Dieu invisible. Alléluia. Amen. Amen. On s'est déjà tous salués. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes contents d'être ici? Je veux la traduction en allemand. Ich möchte die Übersetzung auf Deutsch haben. Gerne. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime Jésus. Ich liebe Jesus. Vous aimez Jésus? Liebt ihr auch Jesus? Kabel. Faisons-lui alors un bisou. Geben wir einen Kuss. Mouah. Bisou, mon chéri. Ein Kuss, mein Schatz. Bisou, Jésus. Mouah. Ein Kuss zu Jesus. Mouah, Jesus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Der Herr sei gelobt. Père, que ton nom soit glorifié. Je te remercie pour tout ce que tu fais. Wir danken für alles, was du tust. Seigneur, nous te remettons toute la gloire. Wir geben dir alle Ehre. Car sans toi, nous ne sommes rien. Denn ohne dich sind wir nichts. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi deswegen, nous t'acclamons, Seigneur Jésus-Christ. Erheben wir dich und klatschen wir dich an. Pour l'œuvre que tu fais à Hambourg. Für das Werk, was du in Hamburg tust. Nous te remettons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Même si les noms ont été mentionnés, mais c'est toi, c'est à toi que nous remettons toute la gloire. Nous ne sommes rien, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui nous fortifie.
Du stärkst uns. C'est toi qui nous donne le souffle de vie. Und du gibst uns das si nous sommes vivants encore aujourd'hui, wenn wir heute leben, c'est parce que toi tu l'as voulu. Dann ist, weil du es gewollt hast. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Deswegen danken wir dir. Seigneur, Herr, je te prie, mon Dieu, mon roi. Ich bitte dich an, mein Herr. Parle-nous. Sprichst du uns. Conduis-nous. Führe uns. Guide-nous. Führe uns. Délivre-nous. Befreie uns. Transforme-nous. Ändere uns. Nous ne voulons pas retourner les mêmes comme nous sommes venus ici, Seigneur. Nous voulons être transformés dans ta wir présence. Transformiert werden. Et c'est pourquoi nous remettons tout entre tes mains. Und deswegen geben wir alles in deine Hand. Et nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais, Père éternel. Wir danken dir für alles, was du tust, mein Herr. Seigneur, merci pour toutes ces guérisons. Danke für alle Heilungen. Que tu opères, mon Dieu, mon roi. Für die, was du tust. Nous te remercions, Père éternel. Wir danken dir, mein Herr. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus Christus. Amen. 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 On acclame Jésus. Donc, comme on n'a pas assez de temps, on va aller vite. Wir haben nicht so viel Zeit und machen deswegen schnell. Amen. En venant ici, je ne savais même pas quoi partager avec vous. Jusqu'à présent, je ne fais que prier. Je dis, Seigneur. Als ich hierher gekommen bin, habe ich nicht gewusst, was ich mit euch teilen soll. Und jetzt bete ich immer noch, Herr. Seigneur, dis-nous ce que toi tu veux. Sag uns, was du möchtest. Parce que nous ne voulons pas retourner les mêmes. Weil wir wollen nicht so zurückkommen, wie wir gekommen sind. Nous voulons être transformés dans ta présence. Wir wollen umgewandelt werden in deiner Amen. Gegenwart. Nous n'avons pas souvent ce genre de rencontres. Wir haben nicht so oft solche Versammlungen. Surtout ici en Allemagne. Besonders in Deutschland. Et donc quand on a ce genre de rencontres, und wenn wir so zusammenkommen, on aimerait vraiment profiter. Sollen wir wirklich davon profitieren? Amen. Vous savez, ça sert à rien de se réunir. Es hilft nichts, wenn wir uns versammeln. Lorsqu'on ne reçoit rien. Und dann empfangen wir nichts. Amen. Amen. Il y en a qui sont partis dans les assemblées. Es gibt welche, die sind in Versammlungen gegangen. Normalement, en fait, quand on part quelque part, on ressort de là-bas transformé. Normalerweise, wenn man wohin geht, dann kommt man umgewandelt wieder. Avant, nous sommes partis dans les assemblées. Früher sind wir in Gemeinden gegangen. Nous sommes sortis vraiment transformés. Und wir sind wirklich verändert rausgekommen. Mais on nous a dépouillés. Aber man hat uns ausgenommen. On nous a tellement dépouillés qu'on avait du mal à se lever. Man hat uns sowas von ausgenutzt, dass wir nicht wieder aufstehen konnten. Or, normalement, quand tu sors de là, la vraie transformation. Aber die wahre Umwandlung. C'est lorsque tu continues à rester sur le roc. Wenn du auf dem Felsen stehen bleibst. Où tu vas de gloire en gloire. Wo du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst. Et tu vois le changement dans ta vie. Und wenn du selber eine Veränderung in deinem Leben feststellst. Amen. Amen. Ça sert à quoi d'aller quelque part? Was hilft es, wenn wir irgendwo hingehen? Et il y a pas d'évolution dans la vie. Und keine Weiterentwicklung im Leben spüren. Ça sert à rien. Gar nichts. Amen. Je priais récemment. Kürzlich habe ich gebetet. Je disais mais Seigneur. Und dann habe ich gesagt, Herr. Nous voulons te vivre. Wir wollen dich erleben. Nous voulons vivre vraiment Jésus-Christ. Wir wollen Jesus Christus erleben. Voir la gloire de Dieu se manifester chaque jour. Wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben jeden Tag sichtbar ist. Pas seulement dans une conférence. Nicht nur in einer Konferenz. Mais chaque jour. Sondern jeden Tag. Parce qu'en fait, sans se voiler la face, ohne dass man sich, on a souvent une vie en dents de scie. Also, wenn wir uns nicht sehen gegenseitig, dann haben wir oft so ein Auf- und Ableben. Aujourd'hui, on est fort. Heute stark. Demain on est faible. Morgen schwach. Aujourd'hui on est fort. Heute stark. Demain on est faible. Morgen wieder schwach. Mais Jésus dit d'aller de gloire en gloire. Aber Jesus sagt, wir sollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Et là tu te dis, oh, mais. Und dann stellst du fest, oui. Dieu, il a ses standards. Gott hat wirklich Standards. La réalité sur la terre est autre. Und die Realität auf der Erde ist eine andere. Nous avons parlé ici de la justice de Dieu. Wir haben hier von der Gerechtigkeit Gottes gesprochen. Nous avons parlé aussi de la grâce de Dieu. Wir haben gesprochen von der Gnade Gottes. Ça, ce sont des réalités das de sind Jésus. Realitäten Jesu Christi.
Ce sont des réalités qu'on doit comprendre. Und das sind Realitäten, die wir verstehen müssen. Et on doit aussi y croire. Und man muss daran glauben. Ça s'appelle la parole de Dieu. Das ist das Wort Gottes. Frères et sœurs, Brüder und Schwestern, je suis là devant vous. Ich bin jetzt vor euch. Pour vous parler. Um zu sprechen. Mais ça ne vient pas de moi. Aber es kommt nicht von mir. Je veux parler de ce qui vient d'ici. Ich möchte davon sprechen, was in der Bibel steht. Quand on dit retour à la parole, wenn man sagt, wir kehren zurück zum Wort, c'est tout simplement parce que on s'est quelque part éloigné de la parole. Dann nur deswegen, weil wir uns vom Wort Gottes entfernt haben. Amen. Et le monde entier s'est éloigné de la parole. Und die gesamte Menschheit hat sich entfernt. L'Église même qui est sur cette terre s'est éloignée de la parole. Die Gemeinde Jesu Christi hat sich auch entfernt. Et ça, c'est une réalité. Und das ist eine Realität. Ce sont des choses qu'on voit. Diese Dinge sieht man. Tous les jours. Jeden Tag. On n'a pas besoin d'aller dans une assemblée. Man braucht dazu nicht in eine Gemeinde gehen. On voit gehen. Ça dans notre vie de tous les jours. Wir sehen das in unserem täglichen Leben. Amen. Et je me rappelle quand j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je veux te vivre, je veux und te als vivre. Ich betete, habe ich gesagt, Herr, ich möchte dich erleben. Et la réponse qu'il m'a donnée. Und hat mir eine Antwort gegeben. Récemment, je suivais encore un autre message d'un frère. Vor einiger Zeit hatte ich eine Botschaft von einem Bruder empfangen. Et ça confirmait un peu, ça confirmait ce que j'avais reçu. Und das hat bestätigt, was ich auch empfangen habe. Est-ce que on connaît vraiment les réalités de la parole de Dieu. Kennen wir wirklich die Wirklichkeit des Wortes Gottes? Les standards de Dieu. Die Standards Gottes. À tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui ont accepté cette parole. Allen, die geglaubt haben und die dieses Wort empfangen haben. Cette parole a donné le pouvoir de devenir. Gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Est-ce que vous connaissez ce que ça signifie être un enfant de Dieu? Wisst ihr überhaupt, was es heißt, Kind Gottes zu sein? Les hommes voient. Die Menschen sehen. Mais Dieu voit. Aber Gott sieht auch. Les hommes disent c'est comme ça. Die Menschen sagen so ist mais es. Mais Dieu dit c'est comme ça. Gott sagt nein, so ist es. Les standards de Dieu. Das sind Gottes Standards. Et quand on rentre dans la réalité des standards de Dieu, und wenn wir in die Wirklichkeit der Standards Gottes eintauchen, on se rend compte à quel point le plus souvent on a tendance à minimiser la parole. Dann werden wir gewahr, wie sehr wir das Wort Gottes eigentlich klein machen. Le standard de Dieu dit que celui qui meurt dans le péché, der Standard Gottes sagt, der in der Sünde stirbt, va en enfer. Geht in die Hölle. Est-ce qu'on tient compte de ce standard-là? Erinnert wir uns an diesen Standard? C'est tellement élevé. Er ist so hoch. La justice de Dieu. Gerechtigkeit Gottes. Le standard de Dieu définit qui est son enfant. Der Standard Gottes bestimmt, wer Kind Gottes ist. Mais nous, les hommes, aber wir Menschen, très sentimentaux, sind sehr emotionell. On a tendance à appeler qui on pense qui on veut être enfant de Dieu. Und wir nennen jemanden Kind Gottes, der gar keins ist. On dit voici les enfants de Dieu qui se sont réunis. Man sagt, schau, die Kinder Gottes sind versammelt. Qui t'a dit ça? Wer sagt dir das? Le standard de Dieu, son regard quand il voit dans l'assemblée. Der Standard Gottes ist so, er hat einen Blick und wenn er da in die Menge schaut, il sait qui lui appartient. Dann weiß er, wer zu ihm gehört. On arrive à des funérailles. Wir kommen auf eine Beerdigung. Comme beaucoup de catholiques le font. Wie viele Katholiken tun das so? Cet homme est parti, il est retourné au Père. Dieser Mensch ist gestorben, er ist zum Vater zurückgegangen. Le regard de l'homme. Das ist die Sichtweise des Menschen. Mais Dieu. Aber Gott. Son standard est tellement élevé. Sein Standard ist hoch. Les hommes voient en bas. Die Menschen sehen unten. Mais lui dit. Aber er sieht von oben. Je sais où il est parti. Ich weiß allein, wo er hingegangen ist.
Alléluia. Dans 1 Samuel 15. Im 1. Samuel 15. Lorsque Saül s'est éloigné, Saul, a péché devant Dieu. Saul vor Gott gesündigt hatte. Dieu parle à travers Samuel. Sagt Gott durch Samuel zu Saul. Que l'obéissance vaut Gehorsam mieux que les ist besser sacrifices. Als Opfer. Et on voit là-dedans, nous allons lire ça rapidement. Und wir lesen das mal. 1 Samuel 15. 1. Samuel 15. Samuel 15, verset 23. Vers 23. 1. Samuel 15, vous êtes là? 23. Oui. Seid ihr alle da? Amen. Si vous êtes là, vous dites Amen. Wenn ihr da seid, sagt ihr bitte Amen. 1 Samuel 15, verset 23. Vers 23. Il est dit, car la rébellion est un péché autant que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. So hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Il a refusé, il a rejeté le standard de Dieu. Er hat den Standard Gottes abgelehnt. Comment Dieu voit les choses. So wie Gott die Dinge sieht. Et il a été rejeté. Und ist verworfen worden. En fait, c'est tout simplement pour dire que ce n'est pas de l'amusement de rejeter la parole de Dieu. Gottes Wort zu verwerfen ist kein Amusement. Ce n'est pas l'amusement de... Quand dit, Dieu dit, fais ça et toi tu fais autre chose. Es ist kein kleines Spiel, wenn Gott sagt, tu das und du tust es nicht. En fait, c'est comme si l'ordre qui est venu d'en haut. Denn der Befehl, der von oben gekommen ist. Il a minimisé cet ordre. Der ist von Saul klein gemacht worden. En fait, au regard de Dieu, c'est tellement important. In den Augen Gottes gibt es Dinge, die sowas von wichtig sind. Mais l'homme a pris ça comme quelque chose de, aber der Mensch de vil. Nimmt das sehr leger. Et dans son standard, il dit, comme tu rejettes aber ça, im Standard Gottes, wenn du so etwas verwirfst, tu ne seras pas avec moi dans l'éternité. Wirst du nicht mit Gott sein in Ewigkeit. Est-ce que vous savez que tout simplement le fait de minimiser la parole de Dieu. Wisst ihr das, wenn man das Wort Gottes so klein macht? Ça va nous amener à croire un jour que l'enfer n'existe pas. Das wird dazu führen, dass wir eines Tages glauben, die Hölle gibt's nicht. Tu vas commencer à croire qu'en fait, bon, quand je serai avec Dieu. Dann wirst du denken, ich bin sowieso dann mit Gott. Alléluia. Parlons rapidement du standard de Dieu. Wir sprechen heute über die Standards Gottes. Tu insultes une personne sans cause. Du beleidigst eine Person. Le standard de Dieu te condamne. Und zwar ohne Grund, aber der Standard Gottes, der verurteilt dich. Tu frappes une personne sans raison. Du schlägst eine Person einfach so. Le standard de Dieu te condamne. Der Standard Gottes verurteilt dich. Tu traites mal tes enfants. Du behandelst deine Kinder schlecht. Le standard de Dieu. Der Standard Gottes te condamne. Verurteilt dich. Tu ne t'entends pas avec ta femme. Du verstehst dich nicht mit deiner Frau. Ou avec ton mari. Oder mit deinem Mann. Le standard de Dieu. Der Standard Gottes verurteilt dich. Vous savez, il y a des moments où on néglige tellement la parole, on ne prend pas ça trop au sérieux. Es gibt so viele Momente, wo wir das Wort Gottes nicht ernst nehmen. On peut se discuter comme ça. Und man streitet drum. On se met en colère.
Man wird wütend. Tellement parce qu'on a raison. Weil man sowas von Recht hat. On insulte. Man beleidigt andere. On s'en va au lit. Man geht ins Bett. On dort comme ça. Man schläft so ein. On dit oui, j'ai raison. Man sagt, ich habe doch recht. Mais la parole de Dieu te condamne. Aber das Wort Gottes verurteilt dich. Tu meurs comme ça. Wenn du so stirbst, c'est l'enfer. Gehst du in die Hölle. Je veux vous sensibiliser sur l'impact de la parole de Dieu. Für die Wirkung des Wortes Gottes in eurem Leben sensibilisieren. Moi, je suis le premier, je disais toujours, je n'arrête pas de dire zurück zum Wort. Ich bin der Erste, der immer sagt, zurück zum Wort. Zurück zum Wort, retour à la parole, retour à la parole. Zurück zum Wort, zurück zum Wort. Et un jour, le Seigneur m'a montré. Aber eines Tages hat der Herr mir gezeigt, ce que c'est retour à la parole. Was es bedeutet, zurück zum Wort zu kehren. Il te donne la parole. Er gibt dir ein Wort. Toi qui étais enchaîné dans les assemblées bizarres. Du, der du in komische Gemeinden gegangen bist. Toi qui recevais de faux enseignements. Du, der du falsche Lehren erhalten hast. Il t'explique ce que c'est le mariage. Er zeigt dir, was Ehe bedeutet. Il te parle du divorce. Er zeigt dir, was Scheidung bedeutet. Il te parle de comment ce que c'est l'amour. Er zeigt dir, was Liebe heißt. Il te dit non, tu n'as plus à payer la dîme comme beaucoup sont sortis à travers la dîme. Er sagt dir, du musst den Zehnten nicht mehr zahlen. Il te dit tu n'es plus sous la loi. Er sagt dir, du bist nicht mehr im Gesetz. Tu es sous la grâce maintenant. Du bist unter der Gnade. Beaucoup autant de choses concernant le retour à la parole. So viele Dinge, was das Wort Gottes betreffen, zurück zum Wort. Et un jour il me montre. Und eines Tages hat er mir gezeigt. Je vais partager ça avec vous. Und das möchte ich mit euch teilen. Il me montre clairement. Er zeigt mir ganz klar. Des gens qui ont entendu ce message. Die Leute, die diese Botschaft gehört haben. Je m'adresse à tous ceux qui ont entendu le message de retour à la parole. Ich adressiere mich an alle diejenigen, die das Wort zurück zum Wort gehört haben. Il y a des gens qui étaient assis dans un coin. Da waren Leute in einer Ecke gesessen und die haben miteinander gesprochen. Et deux d'entre eux étaient en train de dire, und zwei von ihnen haben gesagt, oh bon, je suis retourné dans l'assemblée où j'étais avant. Ah, ich bin in die Gemeinde gegangen, wo ich früher war. Là où on enseigne telle, telle, telle chose. Da wo man dies und jenes lehrt. Mais c'est pas grave. Es macht nichts. Je prends ce qui est bien et ce qui est mauvais, je laisse. Ich nehme das, was gut ist und was schlecht ist, das lasse ich. Quand j'ai entendu ça, je me suis levé, je suis allé vers cette personne. Als ich das gehört habe im Traum, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, tu es retourné prendre ce que tu avais vomi. Du frisst wieder das, was du ausgespien hast. Et sur le champ, les démons se sont manifestés. Und die Dämonen sind gekommen. Haben il était gezeigt. Possédé. Dieser Mensch war besessen. Et là, le Seigneur me parle que ces démons là. Und der Herr spricht zu mir, diese il les a reçus là-bas. Hat er dort in dieser Gemeinde erhalten. Il est retourné prendre ce qu'il avait vomi. Er hat wieder aufgenommen, was er schon ausgespien hatte. La Bible dit bien que lorsqu'un esprit impur sort. In der Bibel steht, wenn ein unreiner Geist einen Menschen verlässt, il s'en va. Dann streicht er umher. Pardon. Et cet esprit revient. Und dieser Geist kommt wieder voir zurück. Si la maison est bien balayée, nettoyée. Und er schaut, ob das Wort schön sauber und geschmückt ist. Et retourne chercher sept autres plus méchants. Und dann geht er hin, um sieben andere schlimmere Geister wie er zu suchen. Et sa situation actuelle und die Situation des Menschen est pire que la situation wird noch avant. Schlimmer als früher. Je dis, mais c'est dans la parole. Und das steht im Wort Gottes. Quand tu reçois la parole, Pierre, lorsqu'il est arrivé, il a prêché. Wenn ein Wort et l'Esprit gepredigt est descendu. Wird, und der Heilige Geist ist gekommen. Les gens étaient délivrés. Und Leute sind befreit worden. Donc cette parole a apporté la délivrance. Hat dieses Wort Gottes eine Befreiung gebracht. Et tu retournes manger ce que tu avais vomi. Und du isst wieder das, was du schon mal ausgespien hast. Moi, je m'adresse à tous ceux qui ont commencé. Ich adressiere mich
tous ceux qui ont reçu cette parole, angefangen haben und dieses Wort auch schon gehört tous ceux qui ont été délivrés par cette parole, diejenigen, die schon befreit worden waren, et qui sont retournés s'amouracher avec les faux pasteurs, und wieder mit falschen Pastoren sich zusammentun, qui sont retournés travailler avec des faux prophètes, und mit falschen Propheten zusammenarbeiten wieder, qui sont retournés écouter les enseignements de faux prophètes, und die wieder die falschen Lehren aufnehmen von falschen Propheten, des gens qui ont été dénoncés clairement, Leute, die schon öffentlich zur Schau gestellt worden sind. Vous ne savez pas ce que vous recevez. Ihr wisst nicht, was los ist. Des démons. Dann werdet ihr Dämonen empfangen. Et là, tu vois comment ta vie baisse, und baisse dann petit siehst à petit. Du, wie dein Leben niedriger und sinkt und sinkt und sinkt. Et voilà une personne qui disait que l'enfer existe. Und eine Person, die früher gesagt hat, die Hölle gibt's. Commence à dire, je ne crois pas à l'enfer. Sagt plötzlich, an die Hölle glaube ich nicht. On commence à diminuer le standard de Dieu. Dann macht man die Standards Gottes sehr klein. Amen. Amen. Esaïe 1. Jesaja 1. Esaïe chapitre 1. Jesaja Kapitel 1. Le verset 2. Vers 2. Cieux, écoutez. Hört ihr Himmel. Et toi, terre, prête l'oreille. Und horch auf, du Erde. Car Yahweh parle. Denn der Herr hat geredet. J'ai nourri des enfants. Ich habe Kinder großgezogen. Je les ai élevés. Und aufgezogen. Mais ils se sont rebellés contre moi. Sie aber haben mit mir gebrochen. Amen. Amen. Il est dit ici au verset 3, le bœuf connaît son possesseur. Im Vers 3 steht, ein Rind kennt seinen Besitzer. Et l'âne la crèche de son maître. Und ein Esel die Krippe seines Herrn. Mais Israël n'a point de connaissance. Israël aber hat keine Erkenntnis. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mein Volk hat keine Einsicht. Amen. Amen. Il dit, j'ai élevé des enfants. Er sagt, ich habe Kinder großgezogen. Et voilà que ces enfants-là se sont éloignés de moi. Aber diese Kinder sind, haben sich entfernt. Ils sont devenus rebelles. Sie sind Rebellen geworden. Rebelles par rapport à quoi? Warum Rebellen? Par rapport à la parole. Was das Wort Gottes betrifft. Parce que ce que Dieu voit tellement élevé comme ça, weil was Gott als so wichtig erachtet, tu négliges ça. Erachtest du als so minderwertig. Alléluia. Il dit, j'ai élevé ces enfants-là. Ich habe diese Kinder großgezogen. Je leur ai donné de quoi manger. Und habe ihnen Nahrung gegeben. Combien de personnes ont été délivrées par le message de la dîme? Wie viele Leute wurden vom Zehnten befreit? Quand le Seigneur nous a révélé, nous a fait comprendre que nous n'avons plus à payer la dîme. Dass wir den Zehnten gar nicht mehr zahlen müssen. Mais quelle délivrance! Welche Befreiung haben wir da erfahren? Parce qu'à chaque fois, on donnait toujours avec contrainte. Weil jedes Mal haben wir irgendwie mit unter Zwang gegeben. Tu sens pas ça dans ton cœur. Du hast es nicht im Herzen gefühlt. Mais tu donnais. Aber gabst einfach. Combien de fois on a donné dans les offrandes, première offrande, deuxième offrande, troisième offrande? Wie oft hat man irgendwelche zusätzlichen Opfer gegeben? Voici que Dieu nous a délivré. Da hat der Herr uns davon befreit. On a reçu cette connaissance. Wir haben diese Erkenntnis bekommen. Mais ça vient d'où? Ça vient de quel message? Aber woher kommt diese Botschaft? Du retour à la parole. Von zurück zum Wort. Il y a pas un autre message. Es gibt keine andere Botschaft. Dans la fin des temps où nous sommes, il y a pas un autre message. In dieser Endzeit haben wir keine andere Botschaft mehr. Les hommes se sont tellement éloignés de Jésus. Die Menschen haben sich so sehr von Jesus entfernt. Nous devons revenir à Jésus-Christ. Deswegen müssen wir zu Jesus zurückkehren. Revenir à sa parole. Zu seinem Wort zurückkehren. Okay. Là on a été délivré comme c'était la dîme. Da wurden wir vom Zehnten befreit. Mais maintenant quand il s'agit du comportement dans le couple. Aber wenn's gegenseitiges Betragen geht.
Comment traiter son enfant? Wie man sein Kind erzieht? Comment la relation entre femme et son mari? Wie man seine Frau oder seinen Ehemann behandelt? Là, y a pas le retour à la parole. Da gibt's kein Zurück zum Wort. Relation avec les collègues. Die Beziehung zu den Arbeitskollegen. Là, y a pas le retour à la parole. Da findest du kein Zurück zum Wort. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Versteht ihr, wovon ich rede? Tu prends ce qui t'arrange. Du nimmst nur das her, was dir gut tut. Et ce qui ne t'arrange pas. Und das, was dir nicht so passt. Tu rejettes. Das lehnst du ab. Parlons des péchés secrets. Sprechen wir mal von geheimer Sünde. Parlons des choses cachées. Die versteckten Sachen. Là, y a pas le retour à la parole. Da gibt's plötzlich kein Zurück zum Wort mehr. Parlons des moments où tu es devant l'ordinateur. Sprechen wir mal von den Augenblicken, die du vor dem Computer verbringst. Y a personne avec toi. Kein anderer ist da. Et tu commences à regarder les images bizarres. Und schaust komische Bilder an. Là, y a pas le retour à la parole. Da gibt's keine Rückkehr zum Wort. Parlons maintenant de l'habillement. Sprechen wir mal von deiner Kleidung. Là, y a pas le retour à la parole. Da hast du plötzlich keine Rückkehr zum Wort mehr. J'ai élevé des enfants. Ich habe Kinder aufgezogen. Je leur ai donné quelque chose. Hab's ihnen was gegeben. Mais ils se sont rebellés contre moi. Aber sie haben gegen mich rebelliert. Quand je me disais sur toutes ces choses-là, als ich über diese Dinge nachgedacht habe, Alléluia. En méditant comme ça, va passer, c'est un verset qui me monte dans le cœur. Paf. Und ein Vers ist mir dann ins Herz gestiegen. David sagt, si je retiens l'iniquité dans mon cœur, wenn ich mein Unrecht für mich behalte, in meinem Herzen, si je retiens l'iniquité dans mon cœur, wenn ich das Unrecht in meinem Herzen behalte, mon Père qui est dans les cieux ne m'exaucera pas, wird der Herr Vater im Himmel mich nicht erhören. Parlons des choses un peu cachées. Wir sprechen von den versteckten Dingen. C'est terrible. Es ist Wahnsinn. Des choses que les gens ne voient pas. Dinge, die andere Leute nicht sehen. Des choses dont vous avez honte de parler. Dinge, über die ihr euch schämt. Mais tu retiens ça dans ton cœur. Aber du hältst es immer noch in deinem Herzen zurück und du behältst es für dich. Mais tu pries. Aber du betest, tu jeûnes, du fastest, tu fais tant de choses, tust so viele Dinge. Et même chaque fois que tu veux prier, dès que tu pries comme ça, Dieu lui-même il te dit, mais tu ne vois pas cette chose qui est dans ton cœur là. Und jedes Mal, wenn du beten möchtest, erinnert dich der Herr, du mais hast tu noch refuses was im Herzen, de régler. Aber du willst es nicht regeln. Alléluia. Je vous raconte rapidement le témoignage d'une sœur quand j'étais parti. On était l'année dernière en mission au Gabon. Letztes Jahr waren wir auf Mission in Gabun und eine Schwester hat was erzählt. C'était un dimanche. An einem Sonntag. Et cette sœur, on a demandé aux gens qui sont ceux qui veulent témoigner et qui veulent se repentir. Sollten Leute Zeugnis geben und Leute sich von ihren Sünden abkehren. Une sœur de l'assemblée se lève. Und eine Schwester aus der Gemeinde steht auf. Connue dans l'assemblée. Sie war allen bekannt in der Gemeinde. Tout le monde la connaissait. Alle kannten sie. Des années dans cette assemblée. Und sie war jahrelang dabei. Elle chantait aussi souvent. Und hat auch oft mitgesungen. Elle se lève. Und sie stand auf. Commence à dire, frères et sœurs. Und sagt, Brüder und Schwestern. Je veux vous confesser quelque chose aujourd'hui. Ich möchte euch was bekennen. Vous savez les problèmes qu'on a eu ici, tel problème, tel truc qui s'est passé ici. Erinnert ihr euch noch an diese und jene Probleme? Wir hatten doch dieses und das. C'était moi. Ich war die Ursache.
Je veux vous dire, frères et sœurs. Ich möchte euch sagen, Brüder und Schwestern. Vous savez, nous qui venons de loin là, on ne peut pas vraiment connaître la gravité de la chose. Also wir, die wir von weit her gekommen sind, konnten die Schwere der Lage nicht sehen. Wir haben einfach zugehört. Voilà, sœur qui dit. Und diese Schwester hat gesagt. Je veux vous dire tout simplement que je suis une sorcière. Ich möchte euch nur sagen, ich bin eine Hexe. En passant, derrière moi, il y avait la chorale. Hinter mir war der Chor. Les gens qui chantaient d'habitude là. Die Gesangsgruppe da. Vraiment tout le monde au sol là-bas, brrr, und alle sind hingefallen und haben angefangen zu weinen. Oh non, c'est pas vrai. Non. Ça pleurait derrière. Und sie haben geweint. Il y a un frère à côté de moi, il s'est mis à côté, il pleurait aussi. Ein Bruder, der neben mir stand. J'étais là, je disais wow. Hat angefangen zu weinen. Et elle a commencé à donner certains détails. Und sie hat ihre Details gegeben. Mais personne ne voyait. Aber keiner hat's gewusst. Elle retenait l'iniquité dans son cœur. Sie hielt dieses Unrecht im Herzen fest. Et pendant longtemps. Lange Zeit. Mais l'onction qui s'est manifestée. Aber in dem Raum war so eine Salbung. Quand elle a confessé. Und dann hat sie bekannt. Lorsqu'elle a sorti tout ça. Und als sie das alles ausgespuckt hat, disait, je sortais, j'allais faire telle chose à telle, je faisais telle chose à telle. Sie hat gesagt, ich habe gesungen und habe diesem jenes angetan und ich habe vielen Leuten was angetan. Elle avait retenu ce mal-là dans son cœur. Dieses Böse hat sie im Herzen behalten. C'était la raison pour laquelle elle n'était même pas exaucée. Aus diesem Grund wurde ihr Gebet nicht erhört. Personne ne voyait. Niemand hat's gesehen. Vous voyez le standard de Dieu. Seht ihr die Standards Gottes? Dieu dit que si tu retiens ça dans ton cœur, rien ne se passe. Gott sagt, solange du im Herzen festhältst, was du hast, passiert nichts. Et quand la sœur a sorti ça? Und als die Schwester das ausgespuckt hat, les frères et sœurs sont venus. Sind Brüder und Schwestern gekommen. Ils l'ont pris dans les bras. Sie haben sie umarmt. Ils ont prié pour elle. Sie haben für sie gebetet. Ils ont pleuré ensemble. Gemeinsam geweint. Une onction terrible s'est manifestée ce Eine jour-là. Wahnsinnssalbung ist gekommen. Wow. On appelle ça la délivrance. Das nennt man Befreiung. Et dans son songe, ce frère, ce soi-disant frère était retourné prendre ce qu'il Und avait in meinem vomis. Traum, den ich vorher erzählt habe, wo der Bruder wieder gegessen hat, was er schon ausgespuckt hat. On a commencé à prier pour chasser le démon. Sors, sors, sors. Haben wir angefangen im Traum da zu beten für den raus, raus. Et un autre frère qui a dit non, laissez-le au milieu. Und ein anderer Bruder hat gesagt, nee, lass den mal in der Mitte. Ça c'est une affaire entre lui et Dieu. Weil das ist eine Sache zwischen ihm und Gott. À lui maintenant de parler à son Dieu. Er selbst muss zu Gott sprechen. À lui de confesser maintenant à son Dieu. Er selbst muss Gott bekennen. À lui de dire à son Dieu ce qu'il a fait. Er selbst muss Gott sagen, was er getan hat. À lui de dire à son Dieu le mal qu'il a gardé dans son cœur. Und er selbst muss Gott das, die Bosheit bekennen, die er in seinem Herzen festgehalten hatte. Et on s'est tous mis autour de lui, personne n'a intervenu. Und wir sind alle um ihn rumgestanden und niemand hat ihn angefasst. On priait pour glorifier Dieu. Wir beteten nur, um Gott zu verherrlichen. Là, c'était lui et le Seigneur. Und nur er war mit dem Herrn allein. Frères et sœurs, personne ne viendra confesser à ta place. Brüder und Schwestern, niemand wird bekennen an deiner Stelle. Personne. Keiner. Ne pourra enlever le péché qui est caché en toi. Keiner kann die Sünde wegnehmen, die in dir versteckt ist. Pas un prédicateur. Kein Prediger. Le mal qui est caché en toi. Das Boshafte, das in dir steckt. Ta manière de voir la parole. Deine Art und Weise, das Wort Gottes zu behandeln. Ta manière de négliger la parole de Dieu. Deine Art und Weise, das Wort Gottes zu vernachlässigen. Le retour à la parole. Zurück zum Wort. C'est dangereux. Ist schwierig. Gefährlich. Mais comme on l'a appris tout à l'heure, und gerade jetzt y a la justice. Haben wir kennengelernt, dass es Gerechtigkeit gibt. À côté, y a la grâce. Und nebenan ist die Gnade. Alléluia.
Vous voyez, nous allons aller, j'ai encore un peu de temps. Ich habe noch ein bisschen Zeit. On va parler, comme disent les Ivoiriens. Wir sprechen miteinander. On va parler. Wir sprechen miteinander, so wie die Leute aus Côte d'Ivoire sagen. Regardons comment on néglige la parole chez nous à la maison. Schaut euch mal selber an, wie ihr das Wort Gottes vernachlässigt daheim. Chaque jour de notre vie. Jeden Tag unseres Lebens. Et si on meurt comme ça? Wenn wir so sterben, est-ce que vous pensez qu'on ira au ciel? Glaubt ihr, dass wir da in den Himmel gehen? Je vous dis. Ich sag's euch. J'ai commencé à réaliser que l'affaire de rentrer au ciel là, c'est fort, hein? Ich habe gemerkt, in den Himmel zu kommen ist nicht einfach. Comme disent les Ivoiriens là, c'est fort, hein? In der Côte d'Ivoire sagen sie, das ist schwierig, da. C'est dur, da. C'est hart, da. Parce que c'est sorti de la bouche de Jésus lui-même, hein. Weil es ist aus dem Mund Jesu Christi selbst très gekommen. Peu y entre. Nur wenige kommen rein. Très peu. Sehr wenige. La sélection, elle est terrible. Die Auswahl ist Wahnsinn. Donc si toi tu ne prends pas conscience de cette sélection. Wenn du dir nicht dieser Auswahl bewusst wirst. Si tu continues en dents de scie. Wenn du aujourd'hui tu es sérieux. Wenn du heute ernst mit Gott bist. Demain, pas du morgen tout. Nicht. Lui-même il dit, tu ne sais même pas à quelle heure le voleur viendra. Er selbst sagt in seinem Wort, niemand weiß, wann der Dieb kommt. Brüder und Schwestern, prenons un petit temps. Il faut quand même, nehmen wir uns ein bisschen Zeit. De réfléchir toi-même. Und überlegen wir mal. Calme-toi un peu et puis tu réfléchis. C'est que le frère William komm dit là. Einfach mal runter und fang mal zu überlegen an, ob das stimmen kann, was der Bruder William hier erzählt. Rentrer au ciel. In den Himmel zu kommen. L'éternité avec Jésus. In Ewigkeit mit Jesus zu gehen. Aller en enfer. Oder in die Hölle zu gehen. L'éternité dans la souffrance. Und in Ewigkeit zu leiden. Je crois que si je continue de m'amuser avec le péché, ich glaube, wenn ich mit der Sünde weiterspiele, c'est que quelque part, je crois pas vraiment qu'on ira à l'enfer. Dann irgendwie glaube ich nicht so, dass wir in die Hölle gehen. Non, réfléchissons encore la réalité de Jésus, parce que il faut qu'on. Überleg mal, du für dich selbst, ob du die Realität Jesu Christi so annimmst, wie sie ist. Parce qu'à des moments, on a toujours dit, on a tout le temps dit, non, ça c'est mon caractère, c'est ma. Weil es gibt Momente, da sagst du, naja, so bin ich, das, mein Charakter ist halt so. Frère, je vais te raconter encore une histoire. Je vais vous raconter encore une histoire. Ich habe noch eine andere Geschichte für euch. Un pasteur connu. Ein Pastor, ein bekannter Pastor. Dimanche matin avant de se réunir là, ils sont venus plus tôt. Sonntagmorgen sind sie früher gekommen in Versammlungsort. Ils ont prié. Und haben gebetet. La présence de Dieu s'est manifestée. Die Herrlichkeit Gottes war da. Une sœur dans l'assemblée. In dieser Versammlung war eine Schwester. Elle commence à prophétiser. Und sie hat angefangen zu prophezeien. Ainsi parle l'Éternel. So spricht der Herr. Ainsi parle l'Éternel. So spricht der Herr. Depuis longtemps que je vous parle. Seit langem habe ich zu euch gesprochen. Vous ne voulez pas changer. Ihr wollt euch nicht ändern. Les petites choses qui sont dans votre vie. Die kleinen Sachen, die in eurem Leben versteckt sind. Que vous appelez vos petits péchés. Eure kleinen Sünden da. Je vous dis d'arrêter. Ich sage euch, ihr müsst aufhören. Mais vous ne voulez pas. Aber ihr wollt nicht. Aujourd'hui. Heute. Pour vous montrer que c'est moi qui parle. Zeige ich euch, dass ich euch spreche. Je vais prendre quelqu'un au milieu de vous. Ich werde jemanden von euch wegnehmen. La fille qui prophétisait, elle est tombée. Und diese Frau, die prophezeit hat, ist umgefallen und gestorben. La crainte de Dieu. Die Furcht Gottes. C'était la femme du pasteur. Und das war die Frau vom Pastor. Mort. Sie ist gestorben.
Le pasteur commence à pleurer. Der Pastor hat angefangen zu weinen. Tous pleuraient. Alle weinten. Commença à confesser les péchés cachés. Sie haben angefangen, diese versteckten Sünden rauszulassen. Les choses que les gens ne connaissaient pas. Die Dinge, die die Leute nicht voneinander wussten. Seigneur, pardonne-nous. Herr, verzeih uns. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Oh Vater, verzeih mir. J'ai fait ça. Ich habe das getan. Tu as raison. Du hast recht. Chaque fois tu me parles de ça. Jedes Mal sprichst du zu mir. Aber ich möchte nicht mich ändern. Regarde ma femme. Bitte. Elle est morte. Verzeih mir. Meine Frau ist gestorben. Bitte erweck sie. Dimanche matin. Am Sonntagmorgen war das. Panique totale. Les gens allaient bientôt arriver dans l'assemblée. Mit totaler Panik kamen die Leute. Die kamen in die Versammlung. Da lag eine Tote. Pendant des heures, la sœur était morte. Stundenlang war die tot. Prophétesse, celle qui prophétisait. Eine Prophetin. Celle qui a prophétisé, morte. Diejenige, die prophezeit hat, tot. Le Seigneur a fait grâce. Und der Herr hatte Gnade geschenkt. Quelques heures plus tard, elle est revenue à la vie. Einige Stunden später ist sie wieder aufgewacht von den Toten. La grâce de Dieu. Die Gnade Gottes. Amen. Mais écoutons l'histoire de la sœur quand elle est revenue de la mort. Aber diese Schwester hatte wirklich was zu erzählen, als sie zurückkam. Comme elle était chante. Sie war Sängerin. Elle chantait, elle aimait louer le Seigneur. Sie lobte Gott. Elle marchait dans un chemin. Und sie ging im Jenseits auf einem Weg. Et elle a entendu le son des gens qui chantaient des louanges de ce côté-là, par exemple. Und sie hat aus einer Richtung Gesang vernommen. Et dès qu'elle arrive, elle remarque que le chemin se sépare. Und dann teilte sich der Weg. Il y a celui qui part vers là où il y avait des champs. Es gab einen Weg, der führte dahin, aus der Richtung. Et celui qui mène dans un autre endroit ténébreux. Und es gab einen Weg, der führte in so einen Nebel rein. Et quand elle arrive juste devant, le Seigneur est là. Und als sie zu der Weggabelung kam, stand der Herr. Elle était sûre. Und sie war ganz sicher. Comme elle aimait, dès qu'elle a entendu ça, son cœur était emporté. Oh, und als sie den schönen Gesang hörte, dann wollte sie gleich dahin gehen. Et quand le Seigneur lui a dit non, toi c'est l'autre direction. Und der Herr hat zu ihr gesagt, nein, du gehst in die andere Richtung. Elle était choquée, il faut que je vous explique un peu. Und sie war so schockiert. Parce que ce monsieur, je l'ai connu. Ce pasteur, weil ich kannte diesen Pastor, der das erzählt hat. Il faut que je vous explique cette partie. Ich muss euch das erzählen. Cette sœur, diese Schwester, au moment où lui a dit, in dem Moment, wo man ihr gesagt hat, toi, c'est pas là-bas. Du gehst da nicht hin, tu vas dans de l'autre côté. Du gehst in die andere Richtung. En marchant, als sie ging, je vous dis cette partie, ce détail est très important. Es ist sehr wichtig, dieses Detail. En marchant, elle se disait, als sie gegangen ist, hat sie sich gedacht, je n'arrive pas à croire que ce sont ces choses-là qui m'amènent là-bas. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich wegen diesen Dingen da hinkomme. Je n'arrive pas à croire que donc c'est à cause de ça. Donc deswegen also muss ich den anderen Weg gehen. Le standard de Dieu. Der Standard Gottes. Son standard lui disait quelque chose d'autre. Ihr eigener Standard sagt ihr was sa anderes. Manière de voir les choses. Sie hat ihre eigene Sichtweise. Elle se disait, non, c'est okay avec moi, c'est okay. Sie hat sich gedacht, nee, mit mir ist alles in Ordnung. Malgré le mensonge que je raconte de temps en temps, c'est okay. Ich sage zwar manchmal Lügen, aber naja. Malgré la manière dont je traite mon mari, c'est okay. Ich behandle manchmal meinen Mann nicht so, aber naja. La manière dont je parle à ma famille et tout ça, non, c'est okay. Ich spreche zwar mit meiner Familie so und so, aber ich bin doch Christin. Je suis quand même enfant de Dieu. Ich bin doch Kind Gottes. Ce jour-là, elle était plus enfant de Dieu. An diesem Tag zeigte sich, dass sie kein Kind Gottes war. Quand elle partait comme ça. Und als sie ging, il y avait comme de l'espoir et c'était mélangé avec. Donc vraiment, je m'en vais là-bas. Sie hatte noch Hoffnung, als sie ging, aber sie dachte immer, un pas, was deswegen, deux pas. Deswegen et puis, tout ging d'un coup, sie dahin.
elle se voit en train de tomber dans un trou. Und sie macht hier ein, zwei Schritte. Elle tombe, und plötzlich, elle tombe, en tombant, elle réalise, elle n'arrête pas de dire. Plötzlich fiel sie, wow. Fiel sie in ein Loch. Donc vraiment, je m'en vais là-bas. Also gehe ich wirklich dahin. Donc ces années de chrétienté, voici que je m'en vais en enfer. Also alle diese Christenjahre haben nichts gebracht und ich gehe in die Hölle. Oh Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Oh Herr, bitte, rette mich. Pardonne-moi. Verzeih mir. Et au même moment, elle a senti comme une main qui l'a récupérée pendant qu'elle descendait. Und in diesem Moment kam eine Hand à la vie. Und brachte sie zurück ins Leben. Alléluia. Les choses que nous négligeons. Die Dinge, die wir vernachlässigen. Mais Dieu, quand il regarde. Aber wenn Gott es sieht, Gott sieht's. Quand j'ai réalisé ça la dernière fois, quand je priais, je dis Seigneur, als je ich das letzte Mal das realisiert habe und gesagt habe, Herr, ich möchte dich erleben. Me vivre, c'est une réalité. Si tu ne me vis pas. Mich erleben ist eine Realität. Wenn du mich nicht erlebst, c'est autre chose que tu vivras. Dann wirst du was anderes erleben. C'est Himmel ou Hölle, comme les gens n'aiment pas entendre ça. Es gibt nur Himmel oder Hölle. Die Leute mögen das nicht hören. Voici ma réalité. Das ist die Realität Gottes. Ich sag, Herr, ich möchte dich erleben, ich möchte dich erleben. Er sagt, mein Kleiner, du hast noch gar nichts verstanden. Wenn du mich nicht erlebst, wenn du mich nicht erlebst, was wirst du dann erleben? Donc en fait, l'importance de vivre la vie de Jésus, de vivre Dieu. Die Wichtigkeit, das Leben Gottes zu erleben. Ça doit être une réalité pour nous. Es muss bei dir Wirklichkeit sein. Alléluia! Le standard de Dieu dit qu'un enfant de Dieu chasse les démons. Die Standards Gottes sagen, ein Kind Gottes vertreibt die Dämonen. Mais toi, und du? Tu as peur. Du hast Angst. Alléluia. Quand Dieu dit, faut me croire. Wenn Gott sagt, du musst mir, sollst mir glauben. Quand Dieu dit, faut me croire, c'est une réalité. Wenn Gott zu dir sagt, du musst mir glauben, dann ist es keine Lüge, sondern Wahrheit. Tu ne vois pas ça en ce moment. Du siehst das zwar jetzt noch nicht. Mais quand Dieu va commencer à se manifester. Aber wenn Gott sich zeigen wird. Alléluia. Et là, voici la réponse que le Seigneur me donne. Und quand je so disais, hat der Herr mir eine Antwort je veux te vivre, gegeben. Je veux te vivre, je veux te vivre. Als ich ihn bat, ich möchte dich erleben, ich möchte dich erleben. Amen. Amen. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand Dieu parle, hein, tu es là comme ça, je tente de prier comme ça. Bam, 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 bam. Wenn Gott spricht und du sagst zu ihm, ich möchte dich erleben, ich möchte dich erleben, dann kriegst du einen Bibelvers. Je suis tellement concentré sur ma douleur, mon désir. Und ich bin aber so noch konzentriert gewesen auf meinen Schmerz, auf meinen Wunsch. Und ich habe diesen Bibelvers weggetan. Je mets d'abord le verset de côté. Je dis non, mais j'ai un problème très sérieux là. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, Seigneur, nein, ich habe aber ein echtes Problem, Herr. Mais écoute, vraiment, Seigneur, entends mes supplications. Bitte, Herr, höre auf mein Schreien. Pendant que je dis entends mes supplications, le verset cogne encore dans ma tête. Während ich noch mich beklage vor Gott, kommt der Bibelvers nochmal. Je veux te vivre, Jésus. Ich möchte dich erleben, Jesus. Je veux te vivre, Yahweh. Bitte, ich möchte dich erleben. Mais si tu ne me vis pas, tu es fini. Der Herr sagt, wenn du mich nicht erlebst, dann ist sowieso schon am Ende mit dir. Esaïe 52. Vous voulez la réponse? Dann habe ich Jesaja 52 bekommen. Qui est-ce qui veut la réponse? Vous savez, la manière dont on minimise la parole dans notre vie. Die Art und Weise, wie wir Gottes Wort klein machen in unserem Leben, bedeutet qu'on sera jugé de toutes les paroles qui sont sorties de notre bouche. Wir werden gerichtet werden über alle Worte, die aus unserem Mund kommen.
C'est une réalité. Das ist eine Realität. On sera jugé. Wir werden gerichtet werden. Parce qu'on a des moments où on a tendance à oublier. Weil wir haben Momente, wo wir das vergessen. On lit la Bible, on lit la Bible. Pendant que tu lis même, tu penses à quelqu'un d'autre. Oh, ça c'est pour lui là. Le frère là. Wir lesen die Bibel und wir denken immer an jemanden anders, wenn wir die Bibel lesen. Tu écoutes un message, tu dis, ah! Und du hörst eine Botschaft und denkst, si seulement la sœur telle pouvait écouter ça. Die Botschaft müsste für diese Person müsste die Botschaft hören. Diese Schwester oder dieser Bruder. Quelqu'un en train de prêcher. Jemand predigt. Tu es là dans la salle. Und du bist im Saal. Und du denkst dir, ah, dieser Bruder ist nicht da. Mensch, wenn er nur da wäre und könnte diese Botschaft hören. Wenn er nur diese Botschaft hören könnte. Und du machst dieses Wort für dich selbst bedeutungslos. La sœur telle qui est dans l'adultère là, hey, si seulement écouter le message, l'adultère aujourd'hui là, aïe 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 aïe. Wenn diese Schwester, die in einer Sünde ist, diese Botschaft hören könnte. Und was ist mit dir? Le chemin pour aller au ciel là, c'est seul. Der Weg, der zum Himmel führt, da gehst du allein. Personne avec toi. Keiner geht mit dir seul. Mit. Du gehst allein dahin. Cette sœur là, quand elle est morte là. Diese Schwester, die gestorben war, quand elle est revenue, als sie wieder zurückkam, als sie wieder zurückkam, hat sie Dinge geändert. Donc l'enfer là, c'est vrai. Sie hat gesagt, hey, die Hölle gibt's. Donc quand Dieu dit de ne pas retenir l'iniquité, le péché dans mon cœur, wenn Gott also sagt, ich soll das Unrecht nicht in meinem Herzen zurückhalten, c'est dangereux. Dann ist es wirklich gefährlich. Avant de lire Isaïe 52, un standard de Jésus. Mir ist noch ein anderer Standard Jesus eingefallen. Si tu vois une femme passer, du siehst eine Frau, die vorbeigeht. Et puis, tu la convoites. Und sie weckt deine Begierde. Ou bien un homme passe et puis tu convoites cet homme dans ton cœur. In deinem Herzen siehst du einen schönen Mann und du begehrst ihn. C'est où? Dans le cœur, non? Dann ist es doch im Herzen. Personne n'a vu. Niemand hat's gesehen. Il dit, tu as commis l'adultère. Jesus sagt, du hast Standard de Jésus. Begangen. Wow! Das ist très der Standard élevé. Jesus. Ein hoher Standard. C'est fort. Es ist stark. Naomi Campbell passe seulement ici. Hey, Naomi Campbell est... Wenn Naomi Campbell hier vorbeigeht. Les gens vont regarder pareil, c'est Naomi Campbell. Mais la sœur qui passe tous les jours là, que tu dans ton quartier. On la connaît même pas. Die Leute schauen sich nicht nur Models an, sondern auch andere. Ou le Frauen, frère qui passe tous les jours là, Tag vorbeigeht. Qui ressemble à tes goûts. Tu appelles ça oder toi tes goûts. Ça, ce sont tes goûts. Der Bruder, der deinem Geschmack entspricht. Donc toi tu as tes goûts. Du hast nämlich deinen Geschmack. Et donc tu cherches tes goûts. Tu es là seulement. Oh, ça c'est mon goût. Du suchst deinen Geschmack. Du sagst, das ist mein Geschmack. Moi j'aime les gens qui marchent comme ça. Oh là là, moi ça c'est mon goût. Ich mag Leute, die so gehen. Das ist mein Geschmack. Convoitise. Die Begierde. Et tu vis avec ça tous les jours, hein? Und jeden Tag lebst du fait, so. Tu es là comme ça tous les jours. Oh ça, wow, pour cette démarche là, ouh là là, ouh son habit est trop serré aujourd'hui. Vraiment. Und du schaust oh, jeden Tag. Tout ça, ça se passe ici. Die Kleidung liegt zu eng an oder was auch immer. Personne ne te voit. Im Herzen machst du das und niemand anderer sieht dich. Mais le standard de Dieu dit, t'es mal barré. Der Standard Gottes aber sagt zu dir. Si tu ne changes pas. Wenn du dich nicht änderst, bist du verloren. Une fois j'étais au boulot, on était là. Einmal war ich in der Arbeit. J'entends seulement un de mes collègues qui dit, ah, oh, mais cette femme-là a encore porté cette jupe-là. Und einer meiner Kollegen sagte, ah, tous diese hommes, Frau hat schon, hat schon wieder diesen oh, Rock an. La jupe, und alle Männer sind hingelaufen und haben sie mit ihrem Rock angeschaut. Il dit, William, tu vas pas te lever aujourd'hui.
Und ich habe mir gesagt, William, du stehst heute nicht auf. Les questions viennent. Mais c'est même quelle couleur qu'elle a porté. Und dann kommen Fragen in meinem Kopf. Welche Farbe hat sie getragen? Voilà l'imagination qui commence. C'est rouge? Rot? C'est bleu? Oder blau? Il dit c'est court même jusqu'à quel niveau? Sie sagen, der ist so kurz. Wie kurz ist er denn? J'ai dit, ah, Jésus, aide-moi. Oh, Jesus, bitte hilf mir. Un autre, deux frères sont en train de discuter, ils parlent quoi, ils passent en route. Zwei Leute reden miteinander, zwei Männer. Et le frère dit, ah, la fille là. Und der Bruder sagt, ah, oh, dieses Mädchen. Regarde comme elle est mal habillée. Schau mal, wie schlecht sie gekleidet ist. L'autre frère dit, okay, c'est bien. Il dit, mais regarde, il dit, non, der andere Bruder sagt, okay. Mais je te dis, regarde comment c'est serré sur elle. Le frère dit, oh, regarde, tu as vu, non, c'est bon. Und der andere Bruder sagt, schau mal, wie schlecht die gekleidet ist. Alléluia. Il y a des moments où tu conduis comme ça. Es gibt Leute, non, on va parler, non. Es gibt Leute, tu es dans la voiture, tu conduis. Im Auto fährst, tu vois quelqu'un, bam, habillé d'une manière bizarre. Tu dépasses. Le rétroviseur est là. Jemand ist schlecht gekleidet und du schaust in den Rückspiegel. Ses cheveux là sont même comment? Wie sind seine Haare? Tu veux arranger comme ça? Du schaust, dass du den Rückspiegel irgendwie hinrichtest. Und möchtest langsamer fahren. Alléluia! Les choses que les autres ne voient pas. Die Dinge, die die anderen nicht sehen, aber Gott sieht's. Avant de quitter le matin. Bevor du in der Früh rausgehst, ziehst du dich an. Le miroir. Dann gehst du vor dem Spiegel. Une voix te dit que, hey, ma sœur. Und dann sagt dir eine Stimme, bitte. Tu ne vois pas que c'est un peu trop serré là? Du hast ein enges Kleid an. Ah, ma sœur. Bitte, meine Schwester. Tu vois pas qu'on voit ta poitrine? Man sieht deine Brust. Mais une autre voix vient. Aber eine andere Stimme spricht auch zu dir. Ils vont me sentir aujourd'hui. Die werden sehen, wie hübsch ich bin. La tenue là aujourd'hui, ils vont voir. Diese Kleidung, die werden sehen. Mais Dieu t'a vu. Aber Gott hat dich gesehen. Si je garde l'iniquité dans mon cœur, wenn ich das Unrecht in meinem Herzen behalte, mais pourquoi c'est toujours le frère là qui prêche? Ah! Warum ist immer dieser Bruder dran mit dem Predigen? Kumamae, on chante tout le monde Kumamae. Und wir singen Kumamae. Und du klatscht nebenbei. Mais pourquoi c'est toujours celui-là qui vient devant ici? Warum ist immer der dran beim Mittenpredigen? Das denkst du in deinem Herzen. Personne ne t'a vu. Niemand hat gesehen, dass du das denkst. Et Dieu t'a vu. Aber Gott hat. Le standard de Dieu. Der Standard Gottes. C'est tellement élevé. Ist wirklich hoch. Que si tu négliges ça. Und wenn du das vernachlässigst. Si deux personnes, wenn zwei Leute s'accordent, miteinander einverstanden sind, demander quoi que ce soit en mon nom, um den Herrn etwas zu bitten in seinem Namen, cela lui sera accordé, wird es ihnen gewährt. Vous êtes là, vous priez. Ihr betet miteinander. Vous n'êtes même pas accordé. Und seid überhaupt nicht miteinander einverstanden. Ihr versteht euch sowieso miteinander nicht. Je me rappelle une assemblée où le diacre, la femme du diacre, ne s'entendait pas avec la femme du pasteur. Erinnere mich an eine Versammlung, wo die Frau vom Diakon sich nicht mit der Frau vom Pastor à la fin, on faisait la ronde comme ça pour s'attraper les mains. Und zum Schluss standen wir alle in einer Runde und on chantait, man nahm sich die Hände. En allemand, en anglais. Und in Deutsch und in Deutsch und in Englisch haben wir gesungen. This is my commandment, that you love one another. Das ist meine Botschaft, dass ihr euch einander liebt. Ça dit que voici mon commandement, que vous vous aimez les uns les autres.
mein Gebot ist es, dass ihr einander liebt. Et on s'attrapait les mains comme ça, on chantait. Und nous aimons wir haben les uns die Hände genommen und haben so hin und her geschwungen. La femme du pasteur et la femme du diacre. Und die Frau vom Pastor und die Frau vom Diakon waren mehr als Feinde. Si je retiens l'iniquité dans mon cœur. Wenn ich dieses Unrecht in meinem Herzen behalte, le Seigneur ne m'exaucera pas. Wird der Herr mich nicht erhören. Alléluia! Vous êtes un peu sensibilisé là par rapport à la parole. Seid ihr ein bisschen sensibel geworden für das Wort Gottes? Quand on va retourner, on prendra plus la parole à la légère. Wenn wir wieder das Wort Gottes so leichtsinnig nehmen. La légèreté. Die Leichtsinnigkeit. La légèreté va t'amener en enfer. Kann dich in die Hölle bringen. La légèreté va t'éloigner davantage de Dieu. Der Leichtsinn wird dich noch weiter von Gott entfernen. Au début, am Anfang tu sentais vraiment, ah, ça c'est le péché. Hast du wirklich gefühlt, das ist Sünde. La légèreté, aber der Leichtsinn, tu commences à te sentir à l'aise. Da hast du dich wohl gefühlt drinnen. Tu fuyais les films comme les feux de l'amour. Du hast Liebesfilme geflohen. Und gewisse Serien nicht angeschaut. Aber auf einmal kommst du wieder zurück zu diesen Serien. Du merkst, wie dein Herz dich wieder zu alten Filmen hinzieht. Aber dieser Film ist schlecht. Du weißt, dass Gott das nicht liebt. Aber du fühlst dich zu gewissen Dingen hingezogen. Et te voilà en train de prendre les choses que tu avais. Und du nimmst wieder Sachen auf, die du vorher schon ausgespuckt hast. Tout d'un coup, la valeur que la parole de Dieu avait devant tes yeux. Und der Wert, den das Wort Gottes vor deinen Augen hatte. Cette valeur est partie et perdue. Ist verloren worden. Parce que tu as gardé l'iniquité dans ton cœur. Weil du das Unrecht in deinem Herzen behalten hast. Parce que tu as accepté le mal. Du hast das Schlechte akzeptiert. Alléluia! Amen. Amen. Esaïe 52. Jesaja 52. Vers 1. Et le Seigneur dit: Réveille-toi! Réveille-toi, Sion! Revêt-toi de ta force, Jérusalem, ville sainte! Revêt-toi de tes vêtements magnifiques! Car l'incirconcis et le souillé ne passeront plus désormais chez toi. Jérusalem, secoue ta poussière. Lève-toi et assieds-toi. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Wach auf, wach auf. Kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Schüttle den Staub von dir ab. Steh auf, setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Réveille-toi, réveille-toi. Wach auf, wach auf. Il faut prendre ça au sérieux. Du musst es ernst nehmen. Tu ne vois pas que tu t'es endormi? Weißt du nicht, dass du dass eingeschlafen bist? Tu me dis tu veux me vivre, tu veux me vivre, tu veux du me vivre. Du willst mais... mich erleben, sagst du. Mais la vie du chrétien, c'est ça. Aber Christenleben ist so. La vie du chrétien, la réalité de celui qui est en Jésus-Christ, mais c'est vivre Jésus. Die Realität dessen, der in Jesus Christus ist, où jeden es-tu? Tag Jesus zu erleben. Wo bist du? Tu ne te rends pas compte que tu dors? Fällt dir nicht auf, dass du schläfst? Mais réveille-toi. Wach doch auf. Tu as oublié que je t'ai donné de la force? Hast du vergessen, dass ich dir Kraft gegeben habe? Tu as oublié que je t'ai élevé? Hast du vergessen, dass ich dich großgezogen habe? Dans Isaïe 1, il dit, les enfants que j'ai élevés se sont éloignés in de moi. In Jesaja 1 steht, diese Kinder, die ich großgezogen habe, haben sich von mir entfernt. Mais réveille-toi, mon enfant, tu es mon enfant. Wach doch auf, mein Kind, du bist doch mein Kind. Est-ce que tu sais que tu es mon enfant? Weißt du eigentlich, dass du mein Kind bist? Non. Nein. Il faut savoir ça. Du musst das wissen. Tu ne le sais pas pour faire plaisir à quelqu'un.
Du weißt es nicht, um jemand anderem zu gefallen, sondern es geht um dein Leben. Il ne s'agit pas de ton père. Es geht nicht um deinen Vater. Il s'agit pas de ta femme. Es geht nicht um deine Frau. Il s'agit de toi. Es geht um dein Leben. Mais réveille-toi. Wach auf. Tu te rends pas compte que tu es en train de dormir. Weißt du nicht, dass du schläfst? Tu négliges ma parole comme ça, tu trouves ça normal? Du vernachlässigst mein Wort so sehr und findest das ganz normal? Je te dis de prier, tu ne pries pas? Ich sag zu dir, du musst beten und du betest einfach nicht. Mais tu sais à qui tu as affaire? Aber weißt du, mit wem du es zu tun hast? Est-ce que tu me connais? Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Tu sais avec qui tu parles? Weißt du, wo du hingehst? Mit wem du sprichst? Réveille-toi. Réveille-toi. Wach auf, wach auf. Réveille-toi de tes forces. Wach auf und mais mit deiner Kraft. Que je donnais la force. Du hast vergessen, dass du Kraft hast. Tu as oublié que je donnais l'autorité contre les sorciers. Du hast vergessen, dass du Autorität über die Hexe hast. Tu as oublié l'œuvre à la croix. Hast du das Werk am Kreuz vergessen? Tu as oublié ce que j'ai fait pour toi. Hast du vergessen, was ich für dich getan habe? Tu veux me vivre? Möchtest du mich erleben? Mais tu dois me vivre. Dann musst du mich leben. Parce que si tu ne me vis pas, weil wenn du mich nicht erlebst, tu es perdu. Bist du verloren. Mais accepte cette réalité. Akzeptiere mal diese Wahrheiten. Accepte la réalité que tu as besoin de moi. Akzeptiere die Seigneur. Wahrheit, dass du mich brauchst. Sag ne prends pas ça à la légère. Nimm das nicht oberflächlich. Parce que sans moi, tu es perdu. Weil ohne mich bist du doch verloren. Sans moi, tu ne peux rien. Ohne mich kannst du nichts tun. Mais réalise ça, mon enfant. Realisiere das doch endlich, mein Kind. Je suis ton Dieu. Ich bin dein Gott. J'ai créé toutes choses. Ich habe alles erschaffen. Les cieux, la terre. Mais tu sais à qui tu as affaire? Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Je suis celui qui est capable de t'envoyer. Ich bin doch derjenige, der dich in die Hölle bringen kann. Parce que tu t'es éloigné de moi. Weil du dich von mir entfernt hast. Parce que tu as pris ma parole à la légère. Weil du mein Wort so leichtsinnig genommen hast. Tu as honte de reconnaître tes fautes. Da hast du schämst du dich, dass du deine Schuld anerkennst? Les gens vont se moquer de toi. Hast du, schämst du dich, dass Leute sich über dich lustig machen? Mais il s'agit pas d'eux, il s'agit de toi. Es geht doch nicht um die da, es geht um dein Leben. Le standard de Dieu. Der Standard Gottes. La manière dont sa parole est à un niveau élevé. So einen hohen Standard legt Gott für sein Wort an. Et nous, on s'amuse avec ça. Und wir spielen damit. On dit le retour à la parole. Wir sagen zurück zum le retour Wort. À la parole. Zurück zum Wort. Mais c'est ce retour à la parole qui va nous amener en enfer si on aber ne n'obéit pas. Diese Rückkehr zum Wort wird uns in die Hölle führen, wenn wir keine Buße tun. Réveille-toi, réveille-toi. Wach auf, wach auf. Réveille-toi de tes forces. Wach auf mit deiner Kraft. Tu as de la force contre du hast les sorciers. Kraft gegen die Hexer. Tu as la force contre le péché. Du hast Kraft gegen die Sünde. Crois en l'œuvre de la croix. Glaub an das Kreuzeswerk. Crois en ce que j'ai fait. Glaub an das, was ich getan habe. Prêcher. Prêcher, prêcher, prêcher. Predigen, predigen. Vous pensez que nous tous on va forcément venir se mettre devant ici pour prêcher? Glaubt ihr, dass alle da vorne stehen werden und predigen? Quand le Seigneur te dit prie, tu ne pries pas. Wenn Gott zu dir sagt, jetzt bete und du betest nicht. Je dirais, quand le Seigneur nous dit, prions, nous ne prions pas. Wenn der Herr uns sagt, wir sollen beten, dann beten wir nicht. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi, wach Sion. Auf, wach auf. Réveille-toi de ta force. Wach auf, kleide je dich Zion in deine Kraft. J'ai donné la force à l'église. Ich habe dir Kraft gegeben, ich habe der Gemeinde Kraft gegeben. J'ai donné la puissance à l'église. Ich habe Macht der Gemeinde gegeben. La puissance contre les sorciers.
Die Macht gegen die Hexer. La puissance contre le péché. Die Macht gegen die Sünde. Il dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon église. In der Bibel steht, die Pforten der Hölle können nicht gegen die Gemeinde Gottes ankommen. Ça, c'est une réalité. Das ist eine Wirklichkeit. Ça fait partie du standard de Dieu. Das ist Teil des Standards Gottes. Si nous croyons qu'il est Dieu, wenn wir glauben, dass er Gott ist, mais croyons aussi qu'il nous a donné cette force. Sollen wir auch glauben, dass er uns diese Kraft gegeben hat? Non, essayons de réfléchir un peu là. Calmons-nous un peu. Wir wollen versuchen, ein bisschen zu überlegen. Si nous croyons qu'il est Dieu, wenn wir glauben, dass er Gott ist, mais en disant que l'Église a reçu l'autorité, und sagen, dass die Gemeinde die Kraft, die Autorität empfangen hat, nous devons croire en ça. Dann sollen wir das auch glauben. Nous devons croire en ça, frères wir müssen et sœurs. Das auch glauben. C'est pourquoi nous devons nous lever. Deswegen müssen wir aufstehen. Nous lever davantage. Weiterhin aufstehen, et prendre noch mehr nos aufstehen und Kraft nehmen. Et dit, mais, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi aussi. Sagen, Herr, du bist auch für mich am Kreuz gestorben. Ce n'est pas seulement pour ceux qui prêchent. Nicht nur für diejenigen, die da predigen. Ce n'est pas seulement pour ceux qui font les miracles là-bas. Moi aussi. Nicht nur diejenigen, die Wunder tun, sondern für mich bist du auch gestorben. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Am Kreuz hast du gesagt, es ist alles vollbracht. Mais c'est aussi pour moi. Für mich ist das auch. Mais il faut savoir si tu as vraiment accepté Jésus. Aber du musst wissen, ob du wirklich Jesus angenommen hast. Du musst sicher sein, dass du Jesus angenommen hast. Est-ce que tu es sûr d'avoir accepté Jésus-Christ? Bist du sicher, dass du Jesus angenommen hast? Est-ce que tu es sûr que Jésus-Christ a touché ton cœur? Bist du so sicher, dass Jesus dein Herz berührt hat? Moi, chaque fois, je dis Seigneur. Jedes Mal sage ich, Herr, ich weiß. Je sais. Ich weiß. Je me souviens. Ich erinnere mich. De ce jour où tu as touché mon cœur. An diesen Tag, wo du mein Herz Personne berührt hast. Ne peut m'enlever Niemand cette certitude. Kann diese Sicherheit von mir nehmen. Je t'ai vu me changer. Ich habe gesehen, wie du mein Leben verändert J'ai hast. Vu comment tu as mis la crainte du péché dans mon cœur. Ich weiß noch, wie du die Sünde aus meinem Herzen entfernt hast. Personne. Niemand anderer. Personne d'autre n'aurait pu faire une telle. Niemand anderer. Hat das gesehen oder kann sowas tun? Je suis sûr. Ich bin sicher. J'ai cette assurance. Ich habe diese Sicherheit. Que c'est Dieu qui m'a touché. Dass Gott mich berührt hat. Tu dois être capable de parler comme ça. Du kannst so sprechen. Quelque chose ce qui se passe, je suis sûr. Egal was passiert, weil ich mir sicher bin und niemand mir diese Sicherheit nehmen kann, ich weiß es. Que Jésus Christ. Dass Jesus Christus. In meinem Leben Celui was geändert hat und er hat mich berührt. Et là, je me lève. Dann stehe ich auf. Là, je dis non. Und dann sage ich nein. C'est toi qui m'as touché. Du hast mich doch berührt. Ce n'est pas un homme. Kein Mensch. Donc cette parole que tu prononces là, dieses Wort, das du aussprichst, qui est là dedans, là, das Wort, das in der Bibel steht, c'est vrai. Ist wahr. Il faut au moins avoir cette assurance, cette réalité là dans ton cœur. Du musst diese Sicherheit, diese Realität in deinem Herzen tragen. Que personne d'autre ne pourra te prendre. Dass niemand anderer das wegnehmen kann. Qu'on t'accuse à gauche, à droite, mais tu dois être sûr de ça. Egal, ob man dich anklagt, links oder rechts, aber du musst sicher sein. Que Jésus-Christ a touché mon cœur. Jesus Christus hat mein Leben berührt, mein Herz. Et je veux continuer avec lui jusqu'au bout. Und ich möchte mit ihm weitergehen bis zum Schluss. Sans regarder à gauche. Nicht nach links und nicht nach rechts schauen. Et non continuer à négliger la parole. Und nicht das Wort Gottes verwerfen. Lorsque le Seigneur a rétabli la crainte de Dieu dans l'église. Als der Herr in der Gemeinde. À un moment donné, dans Acte 2, ils ont vu comment Dieu s'est manifesté. In Apostelgeschichte 2 haben die Jünger gesehen, wie Gott sich geoffenbart hat. Et on voit plus tard comment le Seigneur a restauré, il a manifesté la crainte. Il fallait restaurer la crainte de son nom. Und der Herr hat die Furcht Gottes geoffenbart. La Bible dit que Saphira et Ananias sont venus. Hananias und Saphira sind gekommen. Ils ont menti à l'esprit.
und sie haben gelogen vor dem Heiligen Geist. Ils sont tombés morts. Und sie sind gestorben. La Bible dit que la crainte de Dieu s'est manifestée dans toute l'assemblée. Die Furcht Gottes ist in die ganze Gemeinde gekommen. Nous ne voulons pas quand même arriver jusqu'à ce stade-là. Wir wollen doch nicht so weit kommen. Continuer de mentir facilement comme ça. Und ganz einfach lügen. Jouer avec le péché. Und mit der Sünde spielen. Pour que la crainte de Dieu soit rétablie. Damit die Furcht Gottes sich installiert. Frères et sœurs, craignons le Seigneur. Brüder und Schwestern, wir sollen den craignons Herrn le roi des rois. Wir sollen den Herrn, König der Könige fürchten. C'est pourquoi il te dit en ce moment, réveille-toi. Und deswegen sagt der Herr zu dir, wach doch auf. Réveille-toi. Wach auf. Toi qui dors. Du, der du schläfst oder die du schläfst. Réveille-toi de ton sommeil. Wach auf von deinem Schlummer. Réveille-toi de tes forces. Kleide dich, Zion, in Kraft. Réveille-toi de tes vêtements magnifiques. Kleide dich in deine Prachtgewänder. Il t'a donné des vêtements magnifiques. Er hat dir wunderbare Prachtgewänder gegeben. Mais à cause du péché, aber wegen der Sünde, ses habits se sont salis. Sind diese Kleider schmutzig geworden. Mais maintenant il te dit, réveille-toi. Er sagt zu dir, steh auf. Réveille-toi de ces vêtements. Steh auf mit diesen, ces vêtements magnifiques. Mit diesen Kleidungen. Souviens-toi du jour où il t'a touché. Souviens-toi du jour où il a touché ton cœur. Erinnere dich an diesen Tag, an dem er deinen, an dem er dich berührt hat. Rentre dans les profondeurs de ta personne. Geh in die Tiefen deiner Person. Et souviens-toi. Und erinnere dich. Et voilà, il te dit. Und dann wird er dir sagen. Repens-toi. Tu Buße. Pratique tes premières œuvres. Tu deine ersten Werke. Reviens à ton premier amour. Komm zu deiner ersten Liebe zurück. Reviens à ton premier amour. Komm zu deiner ersten Liebe. Iniquité qui est cachée dans ton cœur. Die Ungerechtigkeit, die in deinem Herzen versteckt ist. Il dit, sagt er. Confesse. Tu Buße. Ôte ça de toi. Nimm's weg von dir. Les choses que tu n'arrêtes pas de dire, non, ça c'est mon caractère, ça c'est moi, ça c'est ma manière d'être. Die Dinge, wo du bis jetzt gesagt hast, nee, so ist mein Charakter und so bin ich halt. Jésus dit, il ne veut plus ça. Da sagt Jesus, nee, das möchte ich nicht mehr. Remplace ça par ses fruits. Ersetze das durch Früchte. Les fruits de l'esprit. Früchte des Geistes. Le mal que tu continues de cacher, tes comportements. Dein schlechtes Betragen, deine Verhaltensweisen, die du versteckst. Jesus, Christi, Jesus Christus sagt, tu doch Buße. Frères et sœurs, réveillons-nous. Brüder und Schwestern, wir sollen aufstehen. Ôte le mal du fin fond de ton cœur. Nimm das Schlechte aus deinem Herzen tu weg. Ne vois pas que tu t'es endormi? Siehst du nicht, dass du eingeschlafen bist? Réveille-toi, toi qui dors. Wach auf, du, der du schläfst. Souviens-toi des vêtements qu'il t'a donné. Erinnere dich an die schönen Gewänder, die er dir gegeben hat. Des vêtements de fête. Festtagsgewänder. Des habits de joie. Freudenkleider. Souviens-toi. Erinnere dich. Souviens-toi de la joie qui t'a rempli le jour où il a touché ton cœur. Erinnere dich an diese Freude. Le jour où il t'a délivré. An dem Tag, an dem er dich befreit hat. Reviens à ton premier amour. Und komm zu deiner ersten Liebe zurück. Parce que sans sa présence, weil ohne seine Gegenwart, tu es perdu. Bist du verloren. Frère, le Seigneur nous demande une profonde repentance. Der Herr möchte von dir eine ganz tiefe Umkehr. De changer notre attitude devant sa parole. Eine Umkehr der Einstellung zu seinem Wort. De changer la manière dont on voit sa parole. Die Art und Weise, wie du sein Wort siehst. La manière dont on néglige sa parole. Die Art und Weise, wie du sein Wort vernachlässigst. Réveillons-nous. Wachen wir auf. Pleurons pour nos fautes. Weinen wir für unsere Fehler. Afin que le Seigneur nous transforme. Damit der Herr uns umwandelt. Père, au nom de Jésus-Christ. Vater, im Namen Jesu Christi. Je prie, mon Dieu, mon Roi. Ich bete, mein Herr, mein Gott.
Crée en nous un cœur pur. Schaffe in uns ein neues Herz. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Erwecke in uns einen Geist, einen neuen Geist. L'esprit qui aime ta parole. Einen Geist, der dein Wort liebt. L'esprit qui craint ta parole. Einen Geist, der dein Wort fürchtet. Seigneur, renouvelle-nous. Herr, erneuere uns. Renouvelle-nous dans les profondeurs de notre personne. Erneuere uns in den tiefsten unserer Seele. Car nous voulons te vivre, Jésus. Weil wir wollen dich erleben, Jesus Christus. Parce que sans toi, ohne dich, nous sommes perdus. Sind wir nämlich verloren. Nous voulons vivre ta puissance, Seigneur Jésus Christ. Wir möchten deine Kraft erleben, Herr Jesus Christus. Nous voulons vivre ton amour, Jésus Christ. Und deine Liebe erleben, Jesus Christus. Nous voulons vivre ta présence. Deine Gegenwart erkennen, Jesus. Ôte le péché du fin fond de mon cœur. Nimm die Sünde ganz tief aus meinem Herzen heraus. Là où je n'arrive pas à pardonner. Da wo ich nicht vergeben kann. Aide-moi à pardonner. Hilf mir zu vergeben. Oui, ils m'ont fait du mal. Ja, sie haben mir weh getan. Oui, j'ai raison. Ja, ich habe recht. Mais ton standard dit de pardonner. Aber dein Standard sagt, vergib. Aide-moi à pardonner. Hilf mir zu vergeben. Seigneur Jésus Christ. Herr Jesus Christus. Rentre dans mon secret. Geh in mein geheimes Kämmerlein. Rentre dans ma vie secrète. Geh in mein geheimes Leben. Que personne ne connaît. Das niemand anders kennt. Là où je néglige ta parole. Da wo ich dein Wort vernachlässige. Change-moi. Verändere mich. Change-moi. Verändere mich. Je veux te vivre d'une autre manière, Seigneur. Ich möchte dich anders erleben. Rentre dans les profondeurs de mon cœur, je te supplie. Bitte, geh in die Tiefen meines Herzens. Efface mes transgressions. Und lösche meine Übertretungen aus. La colère me prend très vite, Seigneur Jésus-Christ. Der Zorn überwältigt mich sehr oft, mein Herr, mein Gott. Délivre-moi de la colère. Befreie mich vom Zorn. Je suis très colérique. Ich bin sehr zornig. Je me fâche très vite. Und ich bin schnell beleidigt. Délivre-moi de ça, Seigneur Jésus. Bitte befreie mich davon, Herr Jesus. Je m'occupe toujours de ce que les gens disent. Mir ist es immer so wichtig, was andere von mir denken. Seigneur, je regarde toujours à gauche et à droite. Herr, ich schaue immer nach links und rechts. Aide-moi à regarder seulement vers toi. Dass ich ab jetzt nur noch dich anschaue. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Herr Jesus Christus. Nous t'adorons. Délivre-moi du mensonge. Befreie mich vom Lüge. Délivre-moi du mensonge, Seigneur Jésus. Befreie mich von Lüge, Herr Jesus. Les gens ne me connaissent pas. Die Leute kennen mich nicht. Toi, tu me connais. Aber du kennst mich. À plusieurs reprises, j'ai sorti mon mensonge. Öfters mal lüge ich. J'ai menti de toi. Ich habe vor dir gelogen. Je te supplie, Seigneur Jésus. Bitte, Herr Jesus Christus. Alléluia. Aujourd'hui, je veux me réconcilier avec toi. Ich möchte mich heute mit dir versöhnen. Véritablement me réconcilier. Wirklich mit dir versöhnen. La profondeur, Seigneur Jésus. In der Tiefe. Entre dans les profondeurs de mon cœur. Geh in die Tiefe meines Herzens. Sors le péché qui est en moi. Nimm die Sünde hinweg, die in mir ist. Je te supplie, Yahweh. Ich bitte dich, Yahweh. Délivre-moi, Seigneur. Ich flehe dich an, befreie mich, Herr. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Befreie mich, Herr Jesus. Délivre-moi de la fausseté. Befreie mich, Herr.
was ich, wo ich Falschheit in mir habe. Ich gebe von dir ein anderes Bild, wie ich wirklich bin. Jahwe, befrei mich. Befreie mich von der Begierde der Augen, de la chair. Die Begierde des Fleisches, die Liebe zum Luxus. Seigneur, ja. Délivre-moi. Befreie mich. Père, délivre-moi de l'égoïsme. Vater, befreie mich von Egoismus. Je suis égoïste. Ich bin sehr egoistisch. Je pense trop à moi. Ich denke immer nur an mich. Yahweh, délivre-moi. Yahweh, befreie mich. Délivre-moi, Seigneur Jésus. Bitte befreie mich, Herr Jesus. Délivre-moi du péché sexuel. Befreie mich von sexueller Unzucht. Le regard impur que j'ai devant les frères et sœurs. Dieser unreine Blick, den ich habe. Délivre-moi, Seigneur Jésus Christ. Befreie mich, Herr Jesus Christ. Des choses que personne ne connaît. Von den Dingen, die niemand kennt. Ôte l'impudicité de mon cœur. Nimm die Unzucht von meinem Herzen heraus. Les désirs impurs qui me hantent. Die unzüchtigen Wünsche, die ich habe. Unreine Wünsche. Befreie mich, Herr Jesus Christus. Yahweh, délivre-moi des pensées impures. Yahweh, befreie mich von unreinen Gedanken. Délivre-moi des pensées impures. Befreie mich von unreinen Gedanken. L'impudicité. Von Unzucht. Délivre-moi, Seigneur. Befreie mich, Herr. Délivre-moi, Herr. Befreie mich. Les maris de nuit, les femmes de nuit. Von Männern der Nacht und Frauen der Nacht. Je n'en veux plus. Möchte ich nicht mehr haben. Je n'en veux plus dans ma vie. Je n'ai plus peur des sorciers. Ich habe keine Angst mehr vor Zauberern. Weil ich an dich glaube. Je crois en toi. Ich glaube an dich, Jesus. Je crois en toi, Jésus. Ich glaube an dich, Jesus Christus. Les sorciers ne peuvent rien contre moi. Die Zauberer können mir nichts tun. Les sorciers ne peuvent pas me tuer. Die Zauberer können mich nicht töten. Car je suis ton enfant. Weil ich bin dein Kind. Je suis ton enfant. Ich bin dein Kind. Und sie sind alle am Kreuz. Jésus, tu as dit, tout est accompli. Jesus, du hast gesagt, alles ist erfüllt. C'est aussi pour moi. Es ist auch für mich vollbracht. Aujourd'hui. Heute. Aujourd'hui, Yahweh. Heute, Yahweh. Restaure-moi totalement. Stell mich wieder her. Restaure-moi de la fausseté, Seigneur. Stell mich von der Falschheit wieder her. Halleluja. Ôte le mensonge de ma vie. Aus meinem Leben. Alleluia. Nimm die Sünde aus meinem Leben. Oh Yahweh. Yahweh. J'ai besoin de ta présence. Ich brauche deine Gegenwart. Alleluia. Deine Gegenwart. Je veux regarder à toi seulement. Ich möchte zu dir zurückkehren. Je ne veux pas regarder aux hommes. Ich möchte nur dich anschauen, nicht die Menschen. Je veux seulement regarder à Jésus. Ich möchte dich anschauen. Je veux seulement regarder à Jésus. Nur Jesus anschauen. Tu as dit, revêt-toi de tes forces. Er hat gesagt, wach auf mit deiner Kraft. Tu es ma force. Du bist meine Kraft. Tu es ma force, Yahweh. Du bist meine Kraft, Yahweh. Je crois en toi, Yahweh. Ich glaube an dich, Yahweh. Je crois en ta puissance. Ich glaube an deine Macht. Je crois en la puissance de la résurrection. Ich glaube an die Macht der Auferstehung. Je crois en Dieu tout-puissant. Ich glaube an den allmächtigen Gott. Fini le péché. Schluss mit Sünde. Fini l'impudicité. Schluss mit Unreinheit. Fini la sorcellerie. Schluss Hexerei. Fini toute forme d'impureté. Schluss mit jeder Art von Fini Unreinheit. Schluss mit Unzucht. Tut Buße. Mikro. Tut Buße. Mikro. Tut Buße. Mikro. Tut Buße.
Nous allons prophétiser à tour de rôle. À tour de rôle. Nous croyons que l'onction de la prophétie dans la salle. Wir haben die Salbung der Prophezeiung im Saal. Mais nous devons prophétiser en ordre. Aber wir müssen in Ordnung prophezeien. Cette onction va encore descendre beaucoup plus si les gens qui ont ces dons. Die Salbung des Herrn kommt jetzt noch mehr auf Leute, die diese Salbung haben. Ich bin mitten unter euch. Ich bin unter euch. Tut Buße. Tut Buße. Tut Buße. Ich bin da. 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 Ja, ich bin da. Tut Buße. Tut Buße. Vous avez des choses dans le cœur. Ihr habt Dinge im Herzen. Ihr habt in euren Herzen Dinge. Ihr habt viele Dinge im Herzen. Tut Buße. On ne se cache pas devant moi. Vor mich kann man sich nicht verstecken. Du kannst nichts verstecken vor mir. Ich bin mitten unter euch. Oh, vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Ihr kennt mich nicht. Ne doutez de rien. Je suis là. Ich bin da. Mais ce que je vous demande, de vous repentir. Ich möchte, dass ihr euch Buße tut. Parce que vous allez voir les choses que vous n'imaginez pas. Ihr werdet Dinge sehen, die ihr nicht geglaubt habt. Non, je suis pas le cœur. Oui, ihr sollt Buße tun. Non, je suis pas le cœur. Im Herzen. J'ai été appelé, mais pour venir parler devant vous. Mais vous ne croyez pas. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Über wen macht ihr euch lustig? Je suis là au milieu de vous. Ich bin mitten unter euch. Über wen macht ihr euch? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Mais vous ne voulez pas marcher. Vous êtes venu là. Mais moi, je suis au milieu. Donnez, ne doutez pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous doutez? Oh, j'ai aimé mes enfants. Vous parlez mal d'eux. Et vous venez vous asseoir ici. Vous vous moquez de qui? Mes serviteurs sont devant vous. C'est moi qui les ai établis. Mais pourquoi vous vous moquez de mes enfants? Vous parlez mal d'eux. Vous parlez mal. Vous avez le cœur dur. Vous avez le cœur dur. Pourquoi? Vous avez le cœur dur. Repentez-vous. Je suis au milieu de vous. Oh, oh! J'ai établi mes autorités. Vous ne les respectez pas. Ich habe meine Autoritäten eingesetzt. Ihr respektiert sie nicht. Vous ne croyez pas. Ihr vous ne croyez pas à ce que je dis. Ils sont là tous les jours. Ils sont là tous les jours. Ils parlent. Vous ne croyez pas. Sie sprechen und ihr glaubt nicht. Vous voulez voir qui? Moi, je suis là. Ich bin hier. Wen seid ihr gekommen zu sehen? Avoir le cœur. La repentance, c'est ce que je vous demande. Le roi des rois, c'est Jésus. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Tout puissant, oh, le tout puissant, c'est Jésus.
donné un péché venant de toi. Alléluia. Wer eine Sünde abgeben möchte, kann nach vorne gehen. Wer die Sünde aufgeben möchte, kommt nach vorne. Ceux qui veulent se réconcilier avec Jésus-Christ, venez devant. Wer mit Jesus Christus sich wieder versöhnen möchte, bitte nach vorne kommen. Je prie, mon Dieu, mon amour, toutes ces personnes. Que les chaînes du péché soient brisées dans leur vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes du péché soient brisées. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta puissance se manifeste dans leur vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Dieu de l'éternité. Je prie, Père éternel. Je prie, mon Dieu, mon roi. Que le péché qui a enchaîné ces personnes, qu'ils soient tous libérés au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance se manifeste dans leur vie. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-lui la force. La force, mon Dieu, mon roi. La force, Père éternel, de dire non. La force de dire non. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Restaure-la, mon Dieu. Restaure-la, Père éternel. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, je prie, Père éternel. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont attaqués par les mariés, les femmes de nuit ici, soient libérés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, ceux qui sont attachés par le péché sexuel, nous prions, Père éternel, que les liens du péché soient brisés dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, tu la réconcilies, mon Dieu. Tu la réconcilies, mon Dieu, au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous brisons les chaînes du péché. Wir brechen les chaînes du péché. Wir brechen au nom de Jésus-Christ. Ketten der Sünde. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Nous brisons les liens de la sorcellerie. Wir brechen au nom de Jésus. Der Hexerei. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Im mächtigen Namen Jesu Christi. Seigneur, nous proclamons la restauration. Herr, wir verkündigen die Wiederherstellung. La restauration. Die Wiederherstellung. Aujourd'hui, tu es un nouvel homme. Du bist ein neuer Mensch. Restaure le Père éternel. Restaure le mon Dieu, mon roi. Vater. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Des chaînes de l'iniquité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est bien bientôt.
Jésus ne change pas. Oh, il est le même. Il est le même. Soit glorifié. Change pas. Oublie totalement ton cœur. Comme ça. Laisse-le rentrer dans ton cœur. Allez, verlasse. Tu
tu quittes sa vie maintenant. Cet esprit de mort qui est envoyé, nous le chassons. Ein Totengeist elle wurde ihr geschickt. Elle vivra au nom de Jésus. Sie wird leben im Namen Jesu. Allez, tu t'en vas. Tu t'en vas. Verschwinde. Tu t'en vas. Verschwinde. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu. T'en vas maintenant. T'en vas maintenant. Allez. Verschwinde jetzt. Hosanna, il revient. Hosanna, toi tu sors. Er kommt Hosanna, allez, sors. Du verschwindest. Sors. Du verschwindest. Au nom de Jésus. Allez, 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 allez. Sors. Raus, 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 raus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Jésus-Christ sauve. Hosanna, Jésus qui libère. Hosanna, Jésus-Christ befreit. Hosanna, commandeur son mari de revenir. C'est Dieu. Jesus Christus. Acclamons Jésus. Wir klatschen für Jesus. Acclamons le roi des rois. Wir klatschen für den König der Könige. Acclamons le Dieu de l'éternité. Wir klatschen für den ewigen Gott. Jésus est Seigneur. Jesus ist der Herr. Jésus est Seigneur. Jesus ist der Herr. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Der Herr möchte Leute hier befreien. Il y a des gens qui sont libérés là aussi en ce moment. Es werden Leute befreit hier. Je vous ai dit que vous n'allez pas retourner comme vous êtes. Ich habe euch gesagt, ihr werdet nicht zurückgehen, wie ihr gekommen seid. Il y a les liens du péché qui sont brisés là. Ketten der Sünde sind zerbrochen. Les liens de la sorcellerie qui sont brisés. Ketten der Hexerei sind zerbrochen. Les gens qu'on venait chercher à leur insu la nuit. Les liens sont brisés maintenant au nom de Jésus. Leute, die in der Nacht dann rumgehen. Les liens sont brisés maintenant au nom de Jésus. Diese Ketten sind gebrochen im Namen Jesu. Ceux dont l'amour de la parole avait disparu là. Diese Liebe zum Wort Gottes, die verschwunden ist. Diese Liebe zum Wort Gottes wird wiederhergestellt. Il ramène, il restaure tout dans ta vie. Au nom de Jésus. Er stellt alles wieder her in deinem Leben im Namen Jesus. Le Dieu de la restauration. Le Wiederherstellung. Feuer der Wiederherstellung. Le Dieu qui change les vies. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Alléluia. 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 Vous avez écouté un témoignage. Ihr werdet euch ein Zeugnis anhören. Excusez-moi, parce que je n'aime jamais passer devant pour parler en public. Ich mag normalerweise mais, nicht gerne nach vorne gehen. Ça fait trois ans, en fait, presque trois ans que je suis convertie. Et, seit drei Jahren bin ich bekehrt. Bien sûr, je vais dire, je me suis détournée. Le Seigneur, en fait, m'a délivrée de beaucoup de choses. Der Herr hat mich vor vielen Dingen befreit. Et à chaque fois, le Seigneur me demandait en fait de passer devant pour témoigner. Und jedes Mal wollte der Herr, dass ich nach vorne gehe, en fait, devant um Zeugnis zu geben. Frères, enfin, des sœurs.
que j'ai rencontré, mais tellement je suis un peu coincée, j'aime pas trop parler en public, mais le Seigneur m'a toujours forcée à le faire. Ich bin ein bisschen schüchtern und möchte nicht so gerne vorne sprechen, aber der Herr möchte, dass ich es tue. J'ai toujours été en fait dans seit meiner Kindheit. Mes parents, enfin, j'ai toujours été ballottée de gauche à droite. Mes parents étaient séparés. Wurde ich von den Eltern hin und her geworfen. J'ai aussi été dans la masturbation depuis mon enfant et pourtant und je connaissais pas qu'est-ce que c'était. Seit meiner Kindheit. Dans la séduction, il y a beaucoup de choses en fait que le Seigneur m'a délivré parce que in der Verführung und der Herr hat mich befreit. C'était des choses en fait que je vivais tous les jours que en tant qu'enfant je trouvais que c'était normal. Und ich habe die Dinge jeden Tag erlebt und als Kind habe ich mir gedacht, das ist normal. Und ich wusste nicht, dass Masturbation eine Sünde ist. De convoiter und Begierde wusste ich auch nicht, dass es eine Sünde ist. Des fois je convoitais pas, mais c'est des gens en fait, des hommes, même de personnes âgées qui me convoitaient. Et j'avais un dégoût en fait par rapport à ça, un dégoût par rapport aux hommes, parce que je me disais, mais comment ça se fait, ces vieux-là peuvent me regarder de cette manière? Mais c'est après que j'ai compris en fait. Es gab Begierde auch zu älteren Menschen. Je voulais demander aussi pardon, Seigneur, pour ma désobéissance, parce que le Seigneur m'a dit wegen meines Ungehorsams um Verzeihung bitten. Je le fais jamais. Et aussi par rapport au mensonge, parce que voulu plaire à ma famille, j'ai toujours voulu plaire à mes parents. Ich wollte immer meinen Leuten gefallen. J'ai désobéi au Seigneur en fait. La parole dit que oui, enfant, dem Wort Gottes nicht gehorcht. Obéissez à vos parents, certes, mais quand les parents sont pas dans la vérité, on a le droit de dire non. J'ai tellement vécu dans une dictature en quelque sorte que moi je pensais oui, même si je savais que c'était au fond de moi le Seigneur me demandait de dire non, mais moi je faisais quand même pour mes parents et tout. Et au jour d'aujourd'hui, es gibt Dinge, die ich für meine Eltern getan habe. Je dis non, en fait, parce que je dis non, je ne vais plus pécher, je ne vais plus und heutzutage sage ich aber zur Sünde nein. Je ne veux plus faire des choses qui déshonorent mon Dieu. Weil ich meinen Gott nicht, weil ich meinen Gott ehren möchte. Que le Seigneur soit loué et aussi je voulais partager un songe que j'avais il y a quelques semaines. Der Herr me montrant en fait que en parlant de l'enlèvement et tout. Und ich habe die Entrückung gesehen. J'avais plein de bagages en fait. Und ich hatte so viel Gepäck dabei. Parce que je portais les bagages de ma famille, de mes Gepäck meiner Familie, das Gepäck meiner Freunde. Donc j'avais raté mon train juste parce que j'avais und beaucoup de bagages. Und dann habe ich den Zug verpasst. Nur weil ich so viel Gepäck parce hatte. Parce que je suis tellement toujours les choses freinent en fait dans notre vie parce qu'on n'avance pas parce que on regarde toujours la famille, on regarde beaucoup de gens autour de nous, dass on se demande wir pas. So sehr andere Sachen anschauen, die Familie oder die Freunde. On pense pouvoir sauver tout le monde, on n'est pas Dieu en fait. Dieu man denkt, man kann alle möglichen Leute retten, aber Gott ist es der Retter und wir sind nicht Gott. Et pas essayons, mais obéissons au Seigneur. Und deswegen rufe ich auch alle zum Gehorsam aus, qui nous freinent en fait de notre marche und avec le Seigneur. Lassen wir die Menschen los, die uns hindern, mit Gott weiterzugehen. Au Seigneur et aimons, cherchons ces Seigneurs là et aimons les Seigneurs. Sondern wir sollen Gott gehorchen und mit diesem Gott gehen. Ou qui sont tout pour nous, mais il n'y a que Dieu qui nous aime en fait, il n'y a que lui qui peut être es gibt fidèle. Leute, et sincère, die uns so viel bedeuten, aber nur Gott kann alles für uns Gott tun. Soit, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Das wollte ich euch sagen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin. Wir sind praktisch am Ende. Mais avant qu'on ne parte, j'aimerais bien qu'on se lève et qu'on prie pour ce pays. Amen. Und bevor wir heimgehen, stehen wir noch auf und beten miteinander für dieses Land. J'aimerais qu'on prie pour ce pays, l'Allemagne. Für dieses deutsche Land. Prions que Dieu se manifeste dans ce pays. Wir beten, dass Gott sich offenbart in diesem Land. Prions que le Seigneur touche des cœurs, davantage des cœurs dans ce pays. Der Herr soll weiterhin in diesem Land Herzen berühren.
Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père éternel. Nous prions pour ce pays, l'Allemagne. Im Namen Jesu Christi beten wir für Deutschland. Nous prions, Seigneur, que tu touches les cœurs dans wir ce beten, pays. Dass du die Herzen der Menschen berührst. Nous voulons voir les Allemands touchés. Wir möchten, dass Deutsche berührt werden. Nous voulons voir des Allemands revenir wir möchten à la parole, sehen, revenir à Jésus. Dass es Deutsche gibt, die zurück zu Jesus kehren. Nous voulons voir les gens qui vivent dans ce pays revenir wir à wollen toi. Leute sehen, die in diesem Land wohnen. Seigneur, nous die prions, zu dir zurückkehren. Jesus, wir beten pour nos voisins, für unsere Nachbarn, pour nos collègues, für unsere Kollegen, les gens que nous rencontrons tous les jours. Und die Leute, die wir tagtäglich nous treffen. Prions, Père éternel, que ces personnes-là soient wir touchées. Beten, dass diese Leute berührt werden. Père, au nom de Jésus-Christ, Vater, im Namen Jesu Christi, nous implorons vraiment ton Saint-Nom. Wir rufen deinen heiligen Namen an. Nous prions pour ce pays, l'Allemagne. Jesus, wir beten für dieses deutsche Land. Ce pays dans lequel nous nous trouvons. Für dieses Land, in dem wir leben. Transforme les vies, mon Dieu, mon Roi. Ändere Leben. Car tant de personnes partent en enfer chaque Weil so viele Leute gehen in die Hölle, jeden Tag. Fais grâce, mon Dieu, mon Roi. Gib Gnade, Herr. Fais grâce, Père éternel. Gib Gnade. Fais grâce, mon Dieu. Gib Gnade. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Im mächtigen Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Wir klatschen für Jesus. Applaus.